Bon, j'ai lancé le Dame. live. Yes. Bonjour à tous, nous sommes en live en direct sur Faisait-moi tellement TF1. curieux de dire ça. Oula, pourquoi j'ai un retour écho? Bon, j'ai lancé le live. Ah oui, je sais pourquoi j'ai un retour. Bonjour à tous, nous sommes en live en direct. Tac, Ah bah j'ai plus bravo. de retour. Avec un petit peu de musique, et puis voilà. Alors, du coup, ce soir, on va faire un tournoi Weichwort. Ouais. On est 4 joueurs, je suis Adrien, il est toujours prêt là, il arrive, Adrien tout le temps, on lance le live. Coucou, je suis là! Merci de ta présence! Adrien, regarde notre live et apprends à jouer à Weichwort. Il regarde tous les lives Mais non, je suis pas pendant les 10 couilles. minutes. Ah, ok. Alors, du coup, vous étiez 3 participants. Du coup, je vais aussi participer, comme ça on sera 4 participants, ça sera plus simple. On va faire un format en élimination directe. Et je vais streamer tous les matchs, comme ça va occuper un peu tout le monde et puis ça sera plus fun à regarder. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je vais partager. Si je fais commencer le tournoi, ça va aller mieux. Je vais partager les rounds. Alors les rounds, ça sera Gabriel contre moi et Rémi contre Mario. Je vais déjà chiant. Alors, je partage le sol. Pas mal de musique, j'aime. Alors, on va commencer par Gabriel et moi. On va s'affronter dans un beau duel. J'espère. Yes. Oh, moi, je prends un truc fun. Hein. J'ai envie d'animer la soirée, c'est tout. Bah en fait, j'ai pas eu le temps de faire un deck. Ah, ouais, ok. Ouais. Je vais me faire rouler dessus. Alors, je vais créer la room. On veut join pour regarder. On veut join. Normalement, vous pourrez, je crois. Je sais pas. Ce programme, il est bizarre. Maybe. Alors, il y a 13 secondes de pub. La prochaine fois, on fait sur Tabletop Simulator. Ça sera mieux. Je crois qu'il est 20 balles, 15 ou 20 balles. Ça marche bien parce que j'ai pas encore test. Hein. Alors, Enter Game. Il est 20 balles. Alors, je suis entré dans la game. Tu peux join? Normalement, tu peux join. Spectate. Join the game as a spectator! Yeah! Ça va, toi tu pioches avant de lancer le dé. Hein. Ouais. Et au judge! Judge, draw. C'est bon, je leur mets. Musique un poil forte. Ok, je vais baisser ça. Je vois pas, t'as vu quoi? T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'entends pas, la musique elle est trop forte! Alors, allez, on va vraiment, lancer un magnifique D20. Waouh, j'ai fait 2. J'ai fait 8. Bon, bah ça voilà, va. Tu commences. Comment? Non, reviens là, toi. Alors, c'est pas possible. Quoi? C'est pas possible, ma main. T'as shuffle ton deck? Oui, normalement il est shuffle de base. Ah, pas sûr. C'est où la défausse déjà? Je vais renvoyer dans le deck et shuffle, c'est pas possible. Je triche. Non, vas-y, tranquille. J'ai eu 3 fois la même carte en main, c'est. C'est déjà quoi la touche secrète pour piocher? C'est C. C. Bon, j'ai pioché la carte au début. Bon, c'était marqué This deck was inserted pre-shuffle. Donc, je sais pas ce que ça veut dire pre-shuffle, mais. Alors voilà, shuffle. Allez, j'espère avoir une meilleure main. C'est déjà mieux. Ok, je te laisse faire le change. Du coup, moi j'ai change ces deux-là. Attends, je te mets juste sur le terrain si je peux. Oui, tu peux, y a aucune restriction en principe. Voilà. Voilà, c'est les deux cartes qui sont parties ont été mises. Ok, d'accord. Le gars, il a 6 cartes en main. Oui, déjà ça a marché. En fait, ça a bugué. Et puis, j'ai pioché 6 cartes, en fait. Ça a bugué. Alors, tu sais quoi, je vais juste défausser une. Ouais. Ça joue Star Wars. Waouh. Et bah, du coup, tu peux y aller. Yes. Bah, du coup, je vais... Si je piochais ma carte défaussée, ça irait aussi. Oui. Du coup, je clock. Je pioche 2. 1. Oh. Oh. Ça marche. C'est la runner. A que coucou. Quand elle attaque, elle donne 500. Et. Ouais.
Et je vais attaquer. Pour on va draw la carte, la mettre sur le terrain. Pour 2. 3 pardon. Du coup, le stock c'est ou déjà fait. C'est face down pile. Hein. Ouais. Alors du coup tu m'as dit pour 3. Alors 1, 2, ok, ça m'a déjà fait 2. Et la troisième, bah, cancel. Cancel. Quand j'envoie à la waiting room, tac. Il y avait un bouton, il me semble. Ouais, j'ai trouvé. À moi. Ouais. À toi. Je veux trop. Pour bouger, elle doit meuler une musique si jamais, la runner. Ok. Yes. Alors, je cloque. Je vais mettre ici ma cloque. Alors, je mets ça en back row, c'est un brainstorm. Ouais. Et quand j'utilise la force, je choisis un caractère, je donne plus 2000. C'est de tronche. Ça fait très drôle de voir ça à Vice. Alors, je t'invoque ça. Lorsque l'adversaire devient river, si le nombre de cartes dans mon stock est de 3 ou moins, je choisis un de mes autres caractères fatigués et je le bouge dans une position dans le backstage. Et du coup, je peux utiliser la force, je dois défausser un caractère bleu. Au début de ma climax phase, je choisis ton caractère en face et un derrière et je les échange. De moi, tu échanges un de la back row à la front row ? Oui. Ok, d'accord. Alors, je invoque le même. Ouais. Luc. Toi, t'es à... T'es juste à 2000, hein, rien de particulier. Runner. Donc, ouais, ouais, à part Runner, je voulais dire, elle a pas de boost. Non, elle a pas de boost. Ok. Alors... Ouais. Merci pour ce commentaire. Alors, battle. Ok. Du coup, je peux run. Ça roule. Alors, je t'attaque ici. Pour 2 et 3. 3. Alors, cancel. Ok. Je t'attaque ici. Pour 2. Oublie pas de mettre ta carte au... Ah, j'ai pas sur le stack. Oui. Pour 2, toujours. Et 2, ça marche. Et du coup, à toi. Ok, du coup, je stun. Je pro. J'affiche. Je vais cloque ça. Tu fais 2. Attends, je vais juste bouger un peu ma cloque parce que ça n'a pas trop de place. Moi, ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'étale la cloque, ce sera plus simple. Ouais. T'étales ta cloque. Je pose L, c'est le brainstorm. Il faut que je reste 2 pour brainstorm et pour chaque cara trouvé, c'est dans le deck. Ok. Bah, pour chaque cara, pour chaque climax. Climax, ouais. Je pose L aussi. L, c'est. Je peux la self-storm, donc juste L. Et puis pour chaque climax révélé, je vais chercher dans la défausse. Pardon, c'est dans la défausse au tout. Je vais chercher dans la défausse un Kara jaune. Et si je révèle un climax quand j'attaque, je peux donner 2000 à un Kara. Mm-hmm. Et l'autre, c'est si tu me reverses un Kara, je peux donner 500 à un Kara. Ok, ouais. Celle-ci empêche la carte d'en face de bouger. Ok. Brainstorm, je vais utiliser le brainstorm de la rouge. Je reste les deux. Ok, ouais. Donc ça c'est dans le. C'est dans la défausse. Ah, dans la défausse, ok, pas de soucis. Du coup, je paye, alors c'est waiting room. Non, merde, bon tant pis, c'est pas grave, de toute façon il y avait qu'un seul stock. Du coup, 1, 2, 3 et 4. Rien. Ok, merci, au revoir. Ouais. Ils ont 2000 tes deux caractères ? Oui. Ok, donc j'ai joué L.
Elle, 1500, quand elle devient reverse, enfin quand elle n'était pas en waiting, je peux regarder la top carte du deck et la mettre au-dessus ou en dessous. Ouais. Et deuxième effet, c'est si elle est en back row et qu'une de mes unités doit partir en waiting, je peux envoyer elle à la place. Ok, ça marche. Du coup. Je vais taper avec elle. Pour 2. 1. 2, je prends. Ça marche. Tu deviens reverse du coup. Oui, 2 secondes. Tac. Yes. Ok. C'est pas là, j'ai attaqué au milieu. Oh oui, pardon, excuse-moi. Pas de soucis. Tac, tac, et wouh. J'adore les animations. Ensuite, j'attaque sur le côté pour 2. Climax. Donc, premier, je fais effet du climax. Je donne 2000 à mon Kara. Enfin, l'effet de la brainstorm. Je donne 2000 à mon Kara. Kanan. Là, c'est la bleue là. Ouais. Ouais, et je vais récupérer une unité dans la waiting. Et évidemment, je vais récupérer elle. Elle est là sur le terrain. Ouais, ouais, j'ai vu, pas de soucis. Viens en main, toi. J'ai dit en main. Voilà. On fait ça. Ça va en waiting. Et du coup, ça fait pour 2. Cancel. Ça marche. Et la dernière attaque pour 4000. Ouais. Pour 2. Je prends. Luke Skywalker. Et du coup, tu es encore reverse et ce sera à toi. Yep. Bon, elle vend les deux au cimetière. Tac. Ah non! Il y en a une en trop qui a été dans le cimetière. Hop là, toi retourne ici. Oui, la brainstorm elle reste. Alors, je draw. Mais dis donc, je retourne de la merde dans ma main. Mais c'est de la merde. Je cloque. Mais pourquoi t'arrives maintenant toi? Je te foulais au début. Du coup, ils ont combien d'attaques tes belles cartes? Alors, 1500, 3500 et 2000 en partant depuis enfin, ouais, affiché quoi. Ouais, affiché. Et à chaque fois, un reverse. Ouais, je donne 500 à un caractère. Et aussi, au milieu, d'une fois que t'as posé un caractère au milieu, il peut plus bouger. Ok, bon à savoir, ouais. Alors, je vais mettre. R2D2. Mmh. Si j'ai pas d'autres Kara, il gagne plus 1500. Et je peux le. Pas d'autres Kara tout court, au front row. Non, au front row, pardon, excuse-moi. Et au début de ton attaque phase, je peux le bouger, c'est un runner gratos. Yes. T'as dit quand elle va au cimetière, du coup, moi je suis à 3500. Puis fais gaffe, c'est an empty slot in the center slot of the front row. Oui. Je vais le mettre devant ton runner. Mmh. Je vais faire mon brainstorm. Yes. Alors, du coup, pour 1, c'est comment je fais? J'en mets 1 dans la waiting. Tac. Alors, je révèle le top 4. Et merci, au revoir. Bah, dis donc, y'a rien qui touche. Alors du coup battle. Ouais, je réfléchis juste. Je fais juste le meulage du run. Ok. Ça va à la waiting. Alors je t'attaque. Pour 1. Ouais. 3. On est les deux à 2000. Non, je suis à 3005. Ok, ça marche. Pour 1. Cancel. Ok, ça marche. Et puis du coup à toi? Yes, elle est morte. Et du coup, je stand. Et je draw. Ça aussi ça stand. Et ça aussi ça stand. Je mets elle en clock. Je draw 2. Mm-hmm.
brainstorm. Donc je fais la brainstorm du rouge. To the waiting 1. Voilà. Et du coup pour 1, 2, 3, 4, rien. C'est la soirée non brainstorm, hein. Quelqu'un ce soir va trigger 4 climax sur un brainstorm, vous allez voir. Donc tu m'as dit c'est une free runner, c'est ça? Oui. C'est une carte d'un trial deck, hein, voyons. Bah tu n'as pas le droit de bouger. Non. Mais je suis toujours à 3005, hein. Ouais, je suis à 3005 aussi. Du coup, Battle Phase. Yep. Attaque ici. Ok. Pour 2. 1. 2, cancel. Cancel. Ok. Pour 2. Ah, pour 4 et plus 2000 à mon caractère 4500. Alors, 1, 2, 3 et 4, oula. Alors, là, je level up. C'est ça le... Ah non, ça c'est la memory. Ok, alors je vais mettre ça. J'aimerais bien vous sélectionner, s'il vous plaît. Tant mieux, à chaque fois il me prend ma backrow avec. Voilà, retourne ici toi. Tac, et le reste, ça faisait 1, 2 et 3. Putain, j'ai pris cher là. Yes. Et la dernière attaque pour 5500. Ouais. Pour 7500. Pourquoi? Parce que rappelle-moi, parce c'est qu'encore quand... un climax. À chaque fois que je révèle un climax, je peux donner 2000 à un caractère. Ah ouais, putain. D'accord. J'ai 7500. Au niveau 0, parfait. Du coup, je récupère ça de la waiting et je me sors. Pour combien sinon? Pour du Mandy, pour. Pour 2, pour 1. Voilà, juste pour un pauvre 1 que je prends. Mec, j'ai eu ça, j'ai fait 7500 à l'AD. R2D2, il prend si cher. Alors qu'il a rien demandé. Ok, allez, à mon tour, je cloque. Enfin, je pioche d'abord avant de cloquer. Je vais cloque. Génial. Alors, je place ça derrière. Tous mes caras au front gagnent 500. Quand je joue un event, si cette carte est stand, je peux la fatiguer. Choisir un cara, il gagne plus 1500. Et je peux choisir un Luc niveau 3 en fatiguant cette carte et je lui donne plus 2000. Et je peux lui donner un marqueur qui lui sert de combo à la carte en question. Ok. On en reparlera au niveau 3. Ça marche. Wow. Alors, je vais poser lui. Donc ouais, c'est là. Et je pose lui. Quand il arrive sur le terrain, il gagne 1500 jusqu'à la fin du tour et il a un combo climax. Putain, cette tête sur un combo climax. C'est devant la jaune, hein, que je peux pas bouger. Ouais, devant la jaune, tu peux pas bouger. Si jamais ma rouge, là, si elle devient reverse, je peux payer 2 et chercher une carte de la waiting et l'ajouter en main. Ok. Quand elle va en waiting, enfin quand elle va en waiting room, pardon. Alors, t'as pas de boost, hein, sinon. Enfin, sauf si tu te fais reverse, entendons-nous. Sauf si je me fais reverse et puis ça attrape niveau 0 au milieu. D'accord. Alors, je vais me bouger ici. Je vais me bouger là. Je vais rentrer en climax, je vais utiliser la force. Je dois me défausser d'un cara bleu. Tac. Et du coup, je te bouge celle-ci avec. Avec la jaune. Qui... celle au front, de toute façon, c'est celle au front. Enfin, celle qui est en face de moi, pardon. Avec, je te bouge avec celle-ci. Ok. Celle qui... Ah, ok, d'accord. Donc, ça et ça, c'est ça? Et exactement. Les plays! Le deny. Alors, je t'attaque ici.
Yes. Du coup, pour 1, 2. Ça marche. 1, 2. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je j'ai pas dit en main par contre. Je vous coupe une seconde, ça frappe à ma porte. Ok. Pendant qu'il va répondre à des aides d'humains à la porte, moi je vais mettre mon level. Et oh, là, voilà, tac. Pivot. Zou! Non, c'est un pivot. Pivot. Zou! Voilà. Excusez-moi, c'était le facteur. Pas de souci. Si jamais je mets mon level tout à droite, s'il veut bien. N'y veut pas. Donc du coup, écoute. Oula, il se passe quoi? Il y a plein de nouvelles cartes. Oui, je monte de niveau, attends. Ton level, c'est laquelle, celle-ci? Ouais. Ok, ouais. J'aime quand tu peux trigger les cartes. Et ça, c'est le level. Ça roule. Wait, attends. Qu'est-ce que. Ouais, non, ça, c'est dans la défausse aussi. J'étais à 7 piles pour le. Alors du coup, t'as jaune et reverse. Yes, du coup plus 500 celle du milieu. Ah celle de droite, pardon. Ok, pas de soucis. De toute façon, moi je suis à Non, 5, je du. suis à 6005. Je J'ai 4 piles. t'attaque. Yes. Alors du coup pour 1. T'as oublié de mettre ta carte dans le stock. Ouais, bon, c'est pas grave. Du coup pour 1 de nouveau, hein. Yes. J'ai trigger le sabre laser. Du coup pour 1. Je prends. Et du coup à toi. Et je Ok, viens de ça penser que j'ai oublié de marche. faire mon brainstorm. Bon bah bravo. Du coup, je stun. Je draw. Je cloque ça pour draw 2. Je vais jouer celle-ci, mais en écrasant celle de derrière. D'accord. Du coup, comme elle est partie en waiting room, je paye 2. Et je vais salvage d'une unité dans la défausse. Ok. C'est mon choix. Du coup, j'aimerais voir ma waiting. Je vais salvage. Elle. Elle revient en main. Du coup, elle vient devant. Là, je mets derrière. Ça vient devant. Et ça vient devant. Je réfléchis juste. Je brainstorm. P1. Waiting room. 1. Donc 1. 4. Merci, au revoir. Oui, non, mais de toute façon, il y a plus de climax Ah oui, dans la il te reste lecture. deux cartes, ouais, forcément. En fait, dans les 12 dernières cartes, il n'y avait aucune climax. Okay, ouais. Du coup, je joue cette climax. Si tu veux bien être dans le bon sens, s'il te plaît. Oh, ça change rien, on s'en fout. Voilà. Du coup, quand je joue cette climax, je choisis une carte rouge de mon waiting. Ouais. Et je la mets en office de stock. Elle. Et tout le monde gagne un de soul. Et toutes mes cartes sont des trappes niveau 1. Ah, c'est un peu chiant ça. Et si je te reverse, bah combo clean. Du coup, j'attaque ici. Pour. J'ai 4500. Ok, moi je suis à 4500 aussi. On meurt ensemble alors. Ça marche. Alors pour combien? Pour. Du. 2 Deux du pour coup. l'instant. Cancel. Ok, comme je te reverse, je vais aller salvage une unité de ma waiting room. Je vais salvage la chica. Ok. T'as trigger quelque chose? J'y cherche, t'as pas vu trigger. Si, j'ai trigger. Ok. J'ai trigger. Attends, on peut voir celle qui est au-dessus? Mais j'ai trigger. Zéro trigger. Enfin, c'était la runner que j'ai trigger. Ok. Ensuite, j'attaque ici. Pour T'es où? 3. Pour 3, oui. Alors, 1, 2, 3. Je prends.
Yes, pas d'effet vu que je vais refresh du coup. Oh merde, est-ce que tu mets ce faire un event? J'ai oublié. Ça dépend, c'est pourquoi, ça fait quoi? Bah c'est un backup. Oui, mais je joue ton backup alors. Alors avant que je joue mon backup, à combien tu attaques? Je suis à 4500, trap niveau 1 au moins. Ouais, 2 secondes alors. Juste que je réfléchisse, normalement je passais. Ouais, alors je joue mon sabre laser. Ouais. Je peux le jouer seulement si j'ai 2 bleus ou plus sur le terrain. Mm-hmm. Je draw 2, je défausse 2 et je choisis un caractère, il gagne plus de 1000. Du coup, faut que tu remettes les cartes dans ton deck, non? Du coup, oui, du coup, alors je vais piocher ça et ça. Ça retourne dans mon deck. En attendant, j'essaie de trouver la touche pour refresh. Et il faut que je me défausse. Bon, en fait, je vais me redéfausser de E. Tac. Et du coup, mon Luc au milieu gagne 2000. Il passe à 4005. Et dans le pire des cas, je peux activer l'effet du R2-D2 où je peux le fatiguer vu que j'ai utilisé un event et je booste encore mon Luc. Ouais, il faudrait ça parce qu'il y a les 500 là de l'autre là. D'ailleurs, vu que j'étais reverse à droite. Mais du coup, ouais, t'es aussi... Ah oui, bah alors du coup, voilà, comme ça on meurt de nouveau les deux. Ça marche, pas de soucis. Alors du coup, tu m'as dit pour 3. 3, ouais. Du coup, je refais mon clock. 1, 2 et 3 cancel. Cancel. Pas de soucis. Par contre, maintenant, c'est comment je remets dans le deck ma défausse? Ah, j'ai trouvé, c'était juste main deck top, et puis maintenant je dois mettre shuffle, je pense. Shuffle. Voilà, j'ai mélangé. Ok. Et du coup, il y a le dégât de refresh. C'est ça. Mais attends, faut juste que je monte le tout. Parce que... Ah voilà. Non, c'est juste quand je regarde la waiting, ça. Ouais, voilà. Hop là. Donc du coup, je reverse aussi. Yep. Et du coup, la dernière attaque. Pour. Du coup, ça fait du. 3. Alors, 1, 2 et 3, je prends. Mmh. Alors, tac. Et là, je level up. Mettre ça ici. Je vais essayer cette fois de ne pas prendre mes backrows. Voilà. Et ça ici. Ah, t'as pris ta backrow avec hein. Oh. Il y a toujours une qui part. Du coup, j'ai terminé avec ça. Maintenant, je décide de sauver celle du milieu en envoyant Kanan à la poubelle. Et du coup, je vais regarder la carte du dessus. Et je la laisse au-dessus ou en dessous. Maintenant, il faut que je la mette sous le deck, c'est ça ? Voilà, j'ai mis sous le deck. Et je la reste, du coup. Et qui m'appelle ? Occupé. Du coup, c'est à moi, hein. Oui, c'est à toi. Je réfléchis, je regarde ce que j'ai en main. J'ai de la merde en main. Allez, crevez, bande de salopes. Oups, la merde, j'ai pioché 2. Je vais brainstorm. Du coup, pour 1, waiting room 1. Ayour. Il m'en reste plus qu'un, tac. Et ça touche. C'est comment je fais main deck tout bêtement? Ok, ouais. Ouais. Et puis shuffle, ça en est sûr. Et du coup j'en play encore 3. Il en manque une. Par contre, je vais juste me mute parce qu'il y a ma tante qui m'a appelé. Et puis c'est... Ah mais non, c'est Lucas alors. Je dois répondre assez rapidement, donc du coup okay. Je le plierai, mais... Ouais, ouais. Du coup, je mets tuto pour 1. Je vais pas aller tout seul, ça va être bizarre. Bon, bah, déjà tuto, de toute façon, c'est bon. Eh, je suis niveau 2. Je vais prendre ça, du coup. Ah.
Ah! J'ai pas mon early call. Je dois avoir mon R2-D2 dans mon clock pour que je puisse early call mon niveau 3, mais bah. Chaudé. Tac. Tout ça à la waiting, ça en main. Du coup, je vais jouer lui pour 1. Le waiting room 1. Je vais placer lui. Il gagne 1500. Alors mon niveau 2, quand il attaque un niveau 3, il gagne plus 6000. Et je peux utiliser la force toujours. Mais ça me servira à rien, j'aimerais bien buter cette carte. Et Alors. salut, c'est Luc. Je viens de niquer. Alors, j'attaque ici. Pour. Pour 1. Ok, tu prends. Et j'attaque ici pour 2. Pour 3. Cancel, et du coup, c'est à toi. Ouh, trop d'ambiance d'un coup. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Est-ce qu'elle est passée sur le terrain? Regarde la top qui est dans la librairie. Ah oui, il regarde juste. Et quand il attaque, il gagne 1000 fois le nombre de musiques. C'est fort? Ouais, mais il a touché quoi avec la jaune? Il peut plus prendre des personnages. Ouais, il a utilisé la jaune. Ok. Ok. Alors, je vais jouer mon sabre laser. Po po po. Du Si coup, jamais je quand elle va crever, il va. Ouais, c'est pas grave.
Alors, du coup, je pioche 2. C'est quoi déjà? Je pioche 2, je défausse 2, oui. S'il veut bien piocher. Embêtant, je vais sûrement faire ça. Et je défausse 2. Et du coup, mon Kara gagne plus de 1000. Et du coup, il m'a trigger pour 2. Quand j'allais jouer n'importe où les cartes. Alors 2 je prends. Non, oh, j'ai oublié de faire un effet. Qu'est-ce qu'il faut leur prendre en main? Lui il a rien à faire ici. Mélange-le dans le deck, ça peut être de la merde. Elle a 4000 d'attaque. Je crois, non, elle a pas de boost. Non, il y a son truc qui est mort, du coup elle a 4500. À cause de la brainstorm. Ah ouais, bon, je suis à 5000 de toute façon. Vous crevez les deux. Ouais, et du coup il m'attaquait pour 2 du coup. Oui. Alors, cancel. Tac, et bah là je crève aussi, y'a pas de soucis. Ok. Du coup, pour 3. Il les joue n'importe où, c'est excellent. Alors pour 3 je prends. Gabriel, réponds. Ok. Alors, combien il me reste? Il me reste 4. Ouais, c'est 4 qui doit crever aussi. Moi, j'ai dit si je la garde ou pas sur le terrain. J'ai pas grand chose pour me sortir d'affaire. Bon, je vais se crever. Alors, j'ai trop. De mon truc, tac, je cloque, je mets ça dans mon level. Allez, cette fois, pas de backro. Wow, nice. Je me charge 2. Yes. Et les level 3, elles arrivent. Pas du tout. C'est sûr, putain, c'est faux. Alors, je vais commencer par placer ça pour 1. Non. Et je joue lui. Alors je peux payer 1, me prendre un dégât et tuto un niveau 1. Alors payer 1, me prendre un dégât, en plus c'est une climax, moche. Ayo. Et tuto niveau 1 ou moins.
Et je vais prendre ça. Alors, et lui, le R2D2, quand il attaque, je donne 500 à quelqu'un. Alors. Du coup, pour 2. Mon dieu, il passe level 2 alors que moi je suis niveau 3. Wouh! DSL, je raccrochais. Donc du coup, je passe niveau 2. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Tu passes niveau 2 alors que moi je suis niveau 3. Avec une climax dans ma clock. Ah oui. Du coup, hop. Hop, je mets du jaune. La petite jaune là. Hop. Tout le reste dans la waiting. Je fais tout manuellement. Au moins, il n'y a pas ma macro qui part en waiting. pivot. Wouh! Voilà. Donc voilà, désolé, c'était juste un appel assez important. Donc du coup, pas de soucis. Alors, du coup, je t'attaque au milieu. Mm-hmm. J'ai beaucoup trop d'attaques. Oui, pas de soucis. Je veux bien te croire. Pour 1. 1. Ça oui. Marche. 1. Attends, laisse-moi juste regarder. Oui, pour 1. Mm. Alors, je t'attaque là-bas. Pour 2. 2. Ça marche. Un cancel. Ok, à toi. Ah moi je draw. Je vais clock ça. Pour deux. Donc ça sera waiting. Comme elle est présente. Attends, je regarde juste un peu. Bon, avant que je dise mes conneries là. Ouais c'est bon, elle est dans la waiting, je peux faire ça comme ça. Comme elle est présente dans la waiting room, je peux jouer elle au niveau 2. En payant 2 évidemment. Oui, c'est bon, je connais tes combos au niveau 2 là. Et du coup, je repaye 1. Truc cancer. Et attends, ça, je veux envoyer 1 à la waiting room. S'il te plaît. Non, ça va envoyer les 7. Ah là, voilà. 1. Voilà. Et du coup, je rappelle l'autre de la waiting. Qui est juste là. J'avance ça. Je paye 1. Waiting room 1 pour envoyer pour mettre celle-ci sur le terrain. J'inverse les deux. Je vais la reste défausser une carte de ma main. Je défausse celle-ci. Je révèle la carte du dessus du deck. C'est niveau 0. Je peux salvage du niveau 0 de ma waiting. Ok. Je salvage Anamaru, donc la brainstorm. Mmh. Et ça retourne sur le deck. Suite de quoi? Ok. Et je joue une climax. Plus 1000 et 1 de soul pour tout le monde. D'accord. Donc sur le côté, là, ma Mariko pour 3000 pour 2 et 2. T'es à 3000, ouais. Je réfléchis une seconde. Ouais. Si tu veux sabre laser, pas de soucis. Ouais, bah, au pire, je peux te sabre laser la gueule. Par contre, je t'avoue que ça me fait très bizarre de voir un RDD faire le sabre laser. Ah bah, dans la série, il l'a souvent dans sa poche. Hein. Tu m'as trigger quoi? Je t'ai trigger la runner là que je t'avais montré, tu sais, la level 0. Ok, donc tu m'as tapé pour 2. 2, ouais. Bah, je vais te sabre laser la gueule. Et voilà, je me suis fait sabre laser par un R2D2. Alors, du coup, je draw 2 et je défausse 2. Oh, laisse-moi survivre, s'il te plaît. Du coup, je lui donne 2000.
Et effet du R2 en fond, je le fatigue et je donne 1500 au Luc au milieu. Pas de soucis. Alors, du coup, pour 2, on a dit toujours, ça va pas changer. Alors, 1 et 2. J'adore comme il les joue n'importe où, les cartes. J'ai cherché ton... J'ai fait... Qu'est-ce qu'il fout, là, le Luc? Ok. Ok. Du coup, tu es reverse, toi? Oui, je suis reverse, moi. Ensuite, tu t'attaques au milieu pour 14 000. Ouais. Je me suis dit que, de toute façon, le sabre laser, c'était mieux de le foutre sur la R2 que le reste. Pour 5 5... Ah oui, 2. Ah oui, il y a la 2 de base. 2, ouais, ok. 5. Alors, 1. Cancel, ok, merci. J'ai même pas pu mélanger mon. Quand j'attaque, je révèle la carte du deck. C'est niveau 3, je te burn de 3. D'accord. Alors, 1, 2 et 3. Je prends les 3. Et du coup, c'est pour 4 dégâts. Attends, je place juste mes dégâts. Yes. Pour 3, tu m'as dit? Pour 4. C'est un trigger, tu sais, c'est un niveau 3, c'est un trigger normal, elle a 2 de base. Oui, 2, 3, 4, oui, pardon, excuse-moi. Pas de soucis. Alors, allez, une climax, s'il vous plaît. Une, deux. il est passé là, c'est celui-là. Et toi, repivote-toi. Alors, attends, ça nous a fait, je vais être dans l'ordre. 1, 2, 3. Oh punaise! La chance! Sur la dernière! Mais il y a un petit problème. C'est que j'espère que t'as du heal. Ouais, j'espère que t'as du heal dans tes level 3. Et du coup, j'avais 11500 si jamais sur ça de. Ouais, pas de soucis, je la pivote. Combien il me reste de. Il me reste 5. Il me reste 5, ça coûte 2. Ah putain, en plus, je suis obligé de garder. Ouais, bon, de toute façon, j'ai perdu, entendons-nous. Oui. Les deux, je les mets au cimetière. Le comeback. Là, seulement... il m'a l'air un peu compliqué. Alors, je cloque. Ah non. Je sais pas, c'est une règle qui interdit de cloquer pour tuer. Non, tu tuer avec le cloque. Je vais quand même pas faire ça. Alors, je joue ça pour 2. C'est quand tient le mot heal. Wouah, c'est quand tient le mot heal. Incroyable. Alors je me heal. Waouh, j'ai gagné un point de répit. Lorsque cette carte est placée sur le terrain, je peux choisir un sabre laser dans mon cimetière et le mettre en marqueur. Tac. Alors comment je vais le placer? Je vais faire hop. Hop. Et en fait je suis content pour ça, mais j'ai pas la climax qui va avec. Quand je fais combo climax et que j'ai un marqueur, je la restand pour pas attaquer deux fois en gros. Ouais. Et en plus il a même pas la force lui, pue le cul. Tu n'es pas l'élu. Je ne suis pas le bon élu. Ouais, et Et je peux même pas faire le R2 qu'il y a derrière. Oh là là là. J'ai placé lui. Waouh! Je vais quand même faire le brainstorm. Du coup, je vais le garder en main d'abord. Toi, reste en main. Je fais mon brainstorm. Je play. Je vais les jouer manuellement parce qu'ils vont se mettre n'importe où. 1, 2, 3. J'ai plus de cartes, je vais me prendre un dégât et je vais repasser à 6. Oui. Alors, main deck, hop, je fais un coup, hop, je prends mon... D'abord, je finis mon brainstorm. Hein. Alors, pour 4, et hop là. Du coup, je peux tuto un caractère. Yes, dans toute la défausse qui sera ton nouveau deck. Je cherche dans mon deck. Hein. Luke Skywalker. Alors, est-ce que lui il me sert ou pas du tout?
Combien il me reste de... Il me reste 3. T'as combien d'attaques sur tes deux monstres horribles? 13 500 et 11 500. 13 000 pardon et 11 500. Non, 13 500. Au milieu, je passe à 12 000. Ouais, je vais reprendre le même Luc. Du coup, tout ça à la waiting room. Je prends mon dégât de refresh. Yes. Tac. Du coup, je rejoue ce Luc. Je te heal de 1. Alors, 2 secondes de waiting room, je paye 2. Je me heal de 1. Et je peux remettre un sabre laser. Toujours. Je peux cloak maintenant. J'ai pas assez d'attaque. Je suis à 10 000 d'attaque. Répète-moi les attaques, excuse-moi. 11 500 et 13 500. Oh, putain, j'ai pas assez. Au pire, je monte à 11 000 quoi. Bon, c'est quoi, on va attaquer. Alors, j'attaque. Pour 2. Pour 2, 3. Et je peux récupérer une climax. Ouais. 1, 2, 3. Je prends. 2. 3, ouais. Là, s'il te plaît. Si je te fais au moins monter niveau 3, c'est bien. 3. Bah, je monterai niveau 3. Ici, je te fronte. C'est du PM. C'est le PM qui a dit coucou. Hello. Ah oui. Pierre. Pierre Merceru. Du coup, pour. Du coup, je t'attaque pour 2. 4. Ok, du coup je refresh. Mais disons qu'il y a plein de monde, coucou tout le monde. Cancel. Oh, t'es chiant. Cancel. Et dégâts de refresh. Oh bah. Ouf. T'es à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon je meurs hein. Oui. Tac. Et ici je t'attaque avec le dernier Luc. Pour 2. 2. 1. Et 2. Et je prends. Et je développe. Ouais, je t'ai au moins fait passer niveau 3. Et tac. Et du coup, je prends ça ensuite. Et t'as combien dans la waiting de Climax? 2. Okay. Du coup, ouais, j'en ai 2, j'en ai une dans la main, une que j'ai trigger. A mon avis, j'ai perdu. Du coup, je draw. Je ne cloque pas. Je paye 2. Le triple cancel de la victoire. Ça. Ouf. Et après, j'attaque comment si j'ai plus d'unité? Alors, je reste mon unité qui est déjà reste. Ok, ouais. Je défausse ça. Pour regarder la carte du deck, enfin je la révèle. C'est une niveau 0, donc du coup je récupère une niveau 0 de ma waiting. Ok. Je vais faire ça. Alors en vrai, il me faut quoi? Il me faut 4 climax. Parce que vu qu'il burn une fois. Là je burn 2 fois. Pardon, il me faut 5 climax. Attends. Il faut pas arrêter le fun aussitôt. Tu vas écraser ta chica? Ouais. Il peut prendre ton 0, hein, oublie pas. C'est vrai. Du coup, je vais mettre à la waiting, du coup. Voilà. Ensuite, j'écrase mon unité qui est derrière là. Pour mettre la Anamaru Brainstorm. Anamaru Brainstorm. Hey, je paye. 1, 2, 3, 4. Et je paye juste un stock quand même.
Ouais, vas-y, paye un peu des coûts quand même. Et du coup, je peux récupérer une carte jaune. Ouais. De la waiting. Je vais récupérer la backup à 3000 et qui fait meuler 5 cartes du dessus de ton deck si j'ai 5 cartes sur mon terrain. Ouais. Ok. Et maintenant, c'est parti à l'attaque. Pour déjà un burn de 3. 1, 2, Cantel. Et pour du coup 3. Attends, j'envoie juste à la cimetière. Tac. Alors. Pour 1, Cancel. Bon voilà, okay. J'ai perdu maintenant. J'attaque. Attends, je fais reverse. Tu me bandes de 1. Ouais. C'était un level 1. Hop, play 1. Et du coup, pour. Pour attends. Ouais. J'ai trigger laquelle? C'est pas celle, c'est pas le soldat qui est sur le terrain. Ah, qui est pas si, si, justement, elle s'est mise au milieu du terrain là. Voilà, alors du coup, pour 1 burn, j'ai pris, ok? Ouais, pour 3 du coup. Oui, pour 3. Alors, 1, 2, cancel. Je t'ai dit, hein, le triple cancel. Et j'attaque pour burn de 0. Et pour 3. Et je récupère une unité de ma waiting dans ma main. Allez, on n'y croit pas parce que je crois qu'il n'y en a plus. Je récupère une deuxième fois la backup. Ouais, non, mais fais ce que tu veux. Pour 3, tu m'as dit, t'as gagné. 3, ouais. Bien joué. J'avais combien de... 1, 2, 3, 4, il y en a 5, il y en a 6, il y en a 7. Ouais, je crois que j'en avais plus. Attends, je vais find mon deck. Ouais, j'avais plus de climax. C'est bon, okay. C'était fini. Mais t'avais quand même fait du cancel. Heureusement que j'ai révélé un level 1 quand même à un moment où ça, parce que... Non, le level 1, il me servait à rien. Par contre, le burn de 3, oui, il me servait. Bon, t'aurais de toute façon eu l'étal avec le fait que tu meules 10 cartes et puis qu'il doit taper 3 fois. Ah oui. Nidal est déçu, j'ai perdu. En même temps, moi je sors un deck fun, lui il sort le deck ultra méta. J'avoue. Oh bah, bien joué Gabriel. Du coup, je suis éliminé. Maintenant, c'est le match Mario Rémi. Exactement. Mario. Ouais, faudrait que je m'explique un peu comment jouer quoi. Comment, s'il y a des trucs particuliers vu que c'est la première fois. Attends, comment on sort? Ouais, je suis en train de chercher comment on quitte le truc. Je pense que c'est à gauche. Je pense à gauche. Game menu, voilà. Finish game and leave. Ah. Alors, attends voir. Game. New game. Weisschwarz, two player, friends only. On va mettre compétitif. Et start game. Puis je dois attendre 20 secondes parce que bah on n'est pas premium. Oh avec bon. Power up. Tu faisais l'habitude monnaie de TCG pour faire ça quoi. Exactement, si on avait. Si déjà on pouvait devenir partenaire. On était déjà, hein. Ah, mais ça a donc changé, hein. Il y a une trentaine de dollars qu'on n'a jamais été chercher, je crois qu'ils ont pris. Mais maintenant ça a changé, pour être partenaire, tu dois avoir tant d'abonnés puis tant d'heures de vue. Voilà, vraiment, si tu vas regarder dans les games, tu peux rejoindre Mario. Ouais, mais ça m'a dit des trucs bizarres. Ah, mais il faut peut-être que tu me rajoutes ton ami. Non, je l'ai déjà fait. Ok. Ouais. Alors, faut que t'ailles, tu vois, sur le stream, je sais pas si t'as le ouvert. J'ai appuyé, mais ils disent j'accepte un mail que je n'ai jamais reçu. C'est ça que je trouve bizarre. Ah, bah, va peut-être dans tes mails. Dans tes spams, ouais. Ta-ta-ta, y'a toujours des problèmes. La YouTube monnaie. C'est clair. Surtout qu'en plus, moi je fais des vidéos avec droit d'auteur, donc la YouTube Money. Allo. Faire du contenu original, hein. Excuse-moi. C'est juste la musique de fond qui se fait striker. Eh ben, ouais, c'est d'avoir la musique de fond
bien ce que je dis, c'est bizarre. J'ai rien reçu du tout. Quoi, cette blague? Pour voir si tu peux pas te le faire en envoyer. Quelqu'un qui nous crée des graphismes, quelqu'un qui nous crée de la musique, serait bien d'avoir. Ouais, alors tu sais quoi, j'étais sur YouTube, j'ai mis musique libre de droit, et puis du coup, je tombais sur un petit mix sympa quoi. Après, si t'as mis des musiques libres de droit, c'est bon, hein, les YouTube. Là, j'ai mis, mais quand je me suis fait striker, c'était. C'était pour le live Yu-Gi-Oh! J'avais passé le gros live qui passe pendant une année. Alors, parce que pour rafraîchir la musique, c'était plus simple d'envoyer un gros live. Toutes les musiques se sont fait striker quoi. Bah, toi, on peut couper le son, toute la vidéo. Ok, bah ça fonctionne. Papa Pierre has done your game. Tu sais que même à une finale qu'on a fait à Genève, il s'est cru en 2013, 2014, je sais plus. J'ai joué la finale, on a dû partir de la maison des jeunes, du club culturel de Genève. On a dû faire la finale dans la bus. On voulait tirer sur la gauche, mais. Et il y a une musique qui est passée à la radio dans le bus. T'as un dessin, c'est tout strike et ils ont reconnu la musique dans c'est les radios. Oh non, excellent. Du coup, c'est toi qui commence. Puis au shuffle d'abord. Ah ouais, shuffle, t'as des options sur quand tu passes. Ouais, j'ai regardé. Donc j'ai déjà draw mais multiples. Et si jamais Mario, tu fais juste la touche C pour piocher directement. Du coup, vu que tu es first turn, c'est à toi de défausser en premier tes cartes. Ah oui, sinon pour la musique, on peut demander au père Anaïda, comme elle le dit, il fait de la musique sur son iPad. Ok, je vais déjà mettre une et je réfléchis pour la deuxième. Ça joue Fate, bravo. Ah, moi je le savais parce que quand je l'ajoute en ami, j'ai vu que c'était écrit deck Fate. Ouais, moi aussi j'ai vu que c'était Fate, mais je pense comment... pas que c'était. Comment Fate, on fait pour spectate leur game? Alors faut que tu rafraîchis game, tu cliques une fois sur game, puis normalement la game elle apparaît. Là tu vas vers et puis tu peux voir qu'on est en game. Ouais, spectate, voilà. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux piocher. D'ailleurs, juste une question, y'a pas un de vous qui aurait pris par accident mon deck si uncollé? Si je fais cloque, je fais ça. Ça me dit rien, moi. Ça me dit rien. Et lequel tu... le abyssal machin là? Devant. Tac, j'attaque. Et Gabriel, y a une manière de poser directement sur, sur le board. Je crois que c'est play. Donc ça fait 3. Bon, moi je vais faire un par un. Ouais, je prends 3. Par contre, sélectionner multiple, putain, ce que ça bug. Attends. Ouais, c'est bon. Du coup, est-ce que c'est à moi? Oui. Alors. J'ai bien parce que toutes les games avec Gabriel ont été que 2 viewers. Et maintenant que c'est Rémi qui joue, il y a déjà le double. Je vais jouer ça en back row, du coup je révèle mon top deck. Bon, je fais juste play pour le montrer. C'est un personnage, elle reste comme ça. Du coup je vais l'avancer. Ça c'est une runner qui peut que run à droite. Puis elle gagne 1500 s'il y a un personnage ou moi, d'autres. Enfin, en gros quelqu'un d'autre quoi. Ça c'est le support qui, quand elle est engagée, elle donne 1500. Quand je level up, à chaque fois je peux payer 2. Pour aller tuto n'importe quel personnage. Alors, je vais mettre ça comme ça, comme ça. Comme ça. Ah, t'as combien de puissance? T'as un discount économique. Mais c'est un niveau 0. Ok, donc c'est un stock. Enfin, il me faut un stock. Ouais, c'est un quoi. Ok, bah, je vais engager. Donner 1500. À ma salle tout à gauche. Puis du coup. Si ça avait bien pivoté, putain. Voilà, hop, du coup j'attaque. Pour 2.
Ok. Du coup, tu prends. Du coup, j'attaque au milieu. J'attends que t'as fini. Est-ce que tu fais l'effet? Je vais faire celui-là là, donc je fais le deuxième effet et je l'envoie celui-là là. Mais... Donc je maintenant ça pète mon stock. Ok, ok. Ouais. Ça fout ça en. Attends, comment je fais pour facilement foutre ça en stock? Allo? Donc waiting room. Puis ça part dans mon stock à la place. Voilà, tac. Du coup j'attaque au milieu comme j'ai dit. Pour 2. Et je prends. Voilà. Okay. Ouais. Et pris. Ouais, du coup j'attaque tout à droite. Pour 2 de nouveau. Et ben je prends. Purée, mais il prend tout le monsieur, il prend tout. Ah, il aime prendre tout. Ah, il prend tout, bah c'est à toi. Ouais, avec la Saber, ça va être vite. T'étais pas déjà à 8? Non, ça fait... j'étais à 7. Pile poil 7 avec celle-là. Ok. J'avais l'impression que t'étais à 6, mais c'est ok. C'est pas grave. 6, 7 avec celle-là, vu que j'ai un peu défaussé de haut. Ouais, ouais, ça marche. Clock celle-là. Yes. Pour ça, je fais son effet. Mettre une climax dans ma waiting. Je vais chercher un personnage dans ma waiting. Ok. Chercher ça. Tu peux juste remontrer, j'ai pas vu. Tac. De toute façon, je vais la jouer. Ok, ok. Ça marche. Jouer ça, faire son effet. Ouais, je connais ce nom. Carte, je la fous dans. Et c'est de. Ce qu'il faut, je vais mal. Mettre une carte de ta main à la waiting, tu check 4 et tu prends. Ouais, bah, je suis obligé de les montrer donc. Oui, de toute façon. Le son, carte vert. Là. Tac. Yes. Oui. On sort du même. T'es dans l'autre sens. Oh, NP. Au pire, ça change pas grand chose. Okay. Hein. Le sens de ça change pas grand chose. Ça ne change pas grand chose. On a compris. Ça m'énerve. On a compris. Voilà, laissez comme ça, fait chier. Mais il passe un seul pour tout le monde. Ok. Quelle 1000 pour 2. Ouais, je teste trigger. Donc 2. Ah, sympathique, mais niveau 1 qui part en dégâts. Ouais, je prends. Au niveau 0, c'est chiant. Ah, dégueulasse, ouais. Je vais chercher un master ou un servant dans mon deck. Donc c'est. Ouais. Find. Oublie pas, après de shuffle.
celle-là. Tac. Ici. 2. 3. 3. Ah oui, c'est bien. Alors, 3. Ouais, je prends tout. Alors, attends. Donc là, je serai un 1-2. Alors, je vais foutre du bleu. Non, pas ça. Voilà. Tac, tac, tac. 3, 4, 5, 6, 7 avec l'autre. Si je suis pas fou, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon. Attends. Ah oui, la maille, elle est aussi dans les... Et ça, c'est aussi dans... Ok. Donc ça, ça va... Alors, waiting... Ouais, puis ça, c'est dans mes dégâts, ouais. Okay, du coup, je vais... Attends. Ouais, pareil, je vais aussi chercher une carte en même temps. Enfin, je te laisse résoudre en premier. Celle-là. Bon, je suis obligé, je vais prendre celle-là. Ok. Ça marche, du coup, moi je vais faire mon truc. Alors, j'ai payé 2. Je peux aller chercher dans mon deck. Ah putain, je sais ce que j'ai oublié. Ah my god. Maintenant, je me souviens ce que j'ai oublié de rajouter. Parce qu'il manque une carte en fait. Bienvenue au club des misplays. Ah, carrément, c'est du misdeck building. Non, mais c'est moche parce qu'en fait, c'est une carte hyper importante que tu joues. Mais bon. Attends. Hop. S'il veut bien me la prendre. C'est quoi, c'est comme ça? Attends. Comment je te la montre? Tu la poses sur le terrain en principe. Ouais, mais il me donne pas l'option de. Il dit juste hand, waiting room. Ah, je peux la glisser, ok. Ouais, je vais prendre ça. Ok. Du coup, je vais fermer ça, je vais shuffle mon deck. Voilà. Ouais. Ok, la dernière attaque. Ouais, ça fait 3. Pour 3. Annulé. Et du coup, je vais activer l'effet de ma... Inazuma, il me semble, au milieu. Je crois le nom, MDR. J'ai jamais laquelle c'est. Du coup, je la mets à la waiting. Plus, je prends un dégât. Tac, donc ça part en dégâts. Elle part à la waiting. Ça aussi. Et je peux aller tuto en niveau 1. Alors, du coup... Tu prépares ton tour. Bah, bien sûr. Alors, qui c'est que je vais prendre? Ouais, on va prendre ça. C'est moi qui l'ai rajouté en plus, hein, MDR. Donc quand j'engage soit avec un personnage comme la Miss qui est engagée, elle gagne 1500. Si tu me la tues ou si elle crève, je peux pas faire de encore tout court. Donc, puis voilà, donc ça dans ma main. Ensuite, je ferme ça, hop. Je shuffle mon deck. Et du coup, c'est mon tour. Oui. Du coup, je pioche. Ah oui, bon, si je peux éviter de te montrer ce que je pioche. Ah, de toute façon, j'ai clock, donc Osef. Ah, très intéressant, pas. Un pivot. Je vais jouer ça. Donc, quand j'engage une carte ou que j'utilise un backup, je donne 1000 quelque part. Elle sort combien de puissance, Témis? 4000 et 2 à droite. 2005, la dernière. Mais celle qui a 2005, c'est une trappe niveau 0, cost 0. Ok, ouais. Ça marche. Du coup, je vais activer l'effet d'elle. Du coup, je peux envoyer en waiting une carte. Et je check le top 4 et j'en prends une. Donc, je vais le faire un par un, forcément. Ça coste 1, ça coste, enfin, ça trappe coste 0, c'est méchant ça quand même. Je vais prendre ça.
Du coup, je vais la jouer. Du coup, je vais engager elle. Je vais donner 1500 à ma... t'es à 2500, on est d'accord, hein? 2500, ouais. Ok. Je vais donner 1500 sur ma Maya, qui est tout à droite. Je vais activer l'effet de la Miss, qui est tout en bas à droite, ici. Je vais donner 1000 à ma Akatsuki. Allez, comment et puis ça du coup, c'est combien de 1500 donc, les puissances, c'est 7000 à droite. C'est assez horrible. 7500 au milieu et 4000 tout à gauche. Ok. Du coup, je vais attaquer tout à droite. Si je te tue, vu que j'ai activé une compétence, je peux stocker à bugle une carte. Ok. Déjà. Du coup, c'est pour... allô ? Il se passe rien. Moi qui l'ai foutu son nom, il l'a pas foutu en dessous. Il les a foutus. Je crois qu'il a rien joué, d'après le... Ouais, mais en fait, il se passe rien quand j'active play. Et là, en fait, ça va faire 5 actions en même temps. Ah ouais, il se passe rien quand je fais play. On va essayer de piocher, au pire. Ouais, je vais piocher, hein, parce que... Mais même piocher, ça marche pas. Ouais. Voilà, alors normalement, chez moi, ça devrait être bon. Je vais juste shuffle mon deck, tac, je touche plus à mon deck. Et puis je sais que j'étais en train d'attaquer avec ma Maya. Et que j'avais pas de stock. Donc normalement j'ai exactement la même chose. Du coup, j'étais à beaucoup plus parce que j'avais pivoté cette merde. Du coup ça fait pour... tac 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 tac. Du coup 1. Du coup je peux stocker aveugle vu que j'étais buté. Alors je dois mettre j'imagine du play face down hein, il me semble. Voilà, hop. Voilà. Ensuite j'étais à beaucoup au milieu aussi avec le boost, du coup ça fait 1 à 1. Et du coup je peux faire l'effet de la gate, de récupérer un personnage. Du coup je vais récupérer elle. Donc elle booste de 2500 en payant 1 si jamais. Par contre on t'entend pas hein, si jamais Mario. Ah ouais, désolé. T'es mute. Une PNP. Et du coup je t'attaque encore là. Donc je suis à 4000. Et puis pour 1. Dans ma waiting, j'ai 3 climax et dans mon stock, j'en ai une. Et j'ai 16 cartes dans mon deck. Sur mon storm. Ouais. Deux cartes, c'est déjà ouf. Mais Mario, on avait dit qu'il fallait toucher 4, pas 2. Il fallait chercher 2 personnages dans ma waiting. Déjà posé dedans. Personne touchait au brainstorm, on avait dit qu'il fallait toucher 4. Pour toutes les fois, c'est 4 ou rien, ok. Donc oublie pas, si jamais le backup ça trigger aussi l'habilité de Maya et de ma Z3 derrière en back row qui donne 1000. Ok. Donc, je peux donner 3500 à quelque chose si je veux. Ça veut dire ne m'attaque pas. Passe ton tour s'il te plaît. Hein. Allez. Ah. Par contre, celle de droite là,
comme la pime. Akatsuki. Ouais. Il y avait cette carte là en face qui faisait T1 0. Ah, elle faisait quoi? C'est trap que 0 donc. Ah, stock tu dis? Non, c'est quoi là? Tu bug, je t'entends pas. C'est de la cloque, donc tu prends la première carte de ta cloque, tu la mets dans la waiting, et celle-là, là, tu la mets dans ta cloque. Ok. Ok. Voilà, monsieur. T'as déjà récupéré deux ou t'es en train de chercher? Ah, je cherche encore. Ok. Ah non, on cherche. Juste pour demander. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette Sakura? Quand la attrape 0. Non, je regarde juste. Ah, c'est celle qui est dans ton cloque. Je devrais jouer là. Jinsu qui va me chercher la Climax verte. Mais bon, quand tu n'as pas les cartes et que t'oublies. Celle de gauche là, tu l'as déjà enlevée ou pas? Non. Celle-là. Ah. Je crois que ça a remonté le jeu ou bien je rêve. Parce que là j'essaye de shake et ça fait rien du tout. Ah ouais? Ouais. Mais non, putain. Tac tac tac. Je crois qu'on est bon. Bon du coup je joue avec des proxys hein. Ouais on s'est pas les couilles. Heureux, donc sans raison apparente en fait, c'est juste la... le cap d'alimentation. Attends, je sais pas si mon deck il est stacké ou quoi. Non c'est bon, je peux le mélanger avant coup. Ah bon, tu triches? Oui je triche, tu vois, je mélange hors caméra. Yes. Oh yeah. Judge. Oui. Oh, ma choc. Le son un peu moins fort. Yorikuma. Ah. Je me coupe mon deck, voilà. Tu veux faire une Yugi en même temps? Deux games en une. Alors je me défausse d'une carte. Ok, pareil. Ah, quoique. Non, deux. Donc c'est une Musashi 3 et une Maya Nemo. Oh! Ça, c'est intéressant. Bon, alors du coup, c'est moi qui commençais. Oui. Je cloque. Je regarde un peu comment ça, à quoi ça ressemble. Mm-hmm. Je pioche deux. Il a pioché deux. J'ai infligé les premiers dégâts. Alors que ce n'était même pas à moi de jouer. Attends, je vois bien un détail qui irait si je le retrouve. Alors, si je prenais mes traductions, ça m'aiderait aussi. Ah. Alors du coup, je joue le R2D2 Runner. Celui qui peut run que mieux, c'est ça? Non, il peut run dans la front row libre.
gratuitement. Oui. Dans une, de, dans une slot vide de la front row. Et puis s'il n'y a pas d'autres caractères, dans la front row, il gagne 1500. Du coup, il est à 3500. Ok. Je t'attaque. Pour 1, 2, 3. Donc il y a first, second, third. Ok. C'est à moi ? Oui, c'est à toi. Du coup, je pioche. Je claque. Je draw. Ça, c'est intéressant. Je mets celle qui booste 2500. Ok. Voilà. Je mets tout ça là-bas, mon clock, comme ça je sais que. Voilà. Celle qui booste 2500. Je jouais ça en back row. Quand elle arrive, je peux checker mon top deck. Laisser au-dessus ou en dessous. Je vais laisser au-dessus. Je vais l'avancer. Waouh, on la voit très bien. Faut que tu te couches côté ombre, quoi. Je vais jouer une Akatsuki. Je vais faire son effet, je discarde une. Je peux checker le top 4 et prendre un personnage. Ah, ça c'est très intéressant. Je réfléchis. Je vais prendre la runner. C'est aussi mon brainstorm. Je vais jouer ma runner. Je vais donner 1500 à ma runner, donc elle a 4000. Ok. Je vais rentrer en phase de combat, est-ce que tu veux te bouger 2000, 2000, 4000. Ok, moi je suis à 3500, ouais, je vais rester au milieu, c'est bon. Ok, donc j'attaque en front, ça fait 2. 4. Cancel. Bah bien entendu. Side au milieu. Pour 2. Je prends. Ensuite, je direct pour 2, parce que t'as rien. Exactement. Cancel. Ok. Attends. Alors, je trouve. Du coup, elles ont combien d'attaques, machine ? 2000, 2000, 2500. Donc, Vanny, quoi. 2000, 2000, 2500. T'es à combien de dégâts, là ? 3 ? 3 dégâts, oui. Ok. Donc, elle, si jamais elle a l'effet de « je peux meuler », puis si je révèle un 0, je peux la bouger, autrement, elle dégage. Elle a encore un effet au cas où si tu voudrais la tuer. Enfin, je dis juste, tu peux payer autant de fois que je veux, puis piocher, défausser, piocher, défausser, piocher, défausser. Ok. Payons. Alors, je joue le R2D2 à 30 balles. Je paye 1. Je paye 1 et je me prends un dégât et je peux tuto à un niveau 1 au moins. Ah, ok, max. Et lorsqu'elle attaque, je donne 500 à quelqu'un. Ok. Et suivant ma main, ouais, il faut que je prenne celui-là. Je prends celui-ci. Ok. Alors, du coup, je le joue. Alors, lorsque tu deviens reverse, s'il y a 3 ou moins de cartes dans mon stock, je peux choisir un autre cara, le fatiguer et le bouger en back row. Ok. Et sinon, il a la force, je défausse un cara bleu et je peux te bouger la carte qui est en face et puis une back row. Ça marche. La force. Je mets l'assist. C'est le brainstorm, il fait brainstorm et quand j'utilise la force, je booste de 2000 à un cara. Ok.
ça marche. Alors... Je vais activer l'effet de la force. Je défausse celui-là. Et du coup, celle en face, je l'échange avec Tabacro. Celle-là, du coup. Attends. Non, je pensais à l'autre côté. Ah, mais du coup, ouais, faut qu'on fasse gaffe parce que c'est le miroir, en fait. Attends, je me miroir. Donc celle-ci. Voilà, du coup, celle-ci, oui. Ok. Alors... Du coup ici je te side. Effet, je donne 500 à mon runner. Ok. Du coup pour 1. Annulé. Je t'attaque au milieu, je suis à 2500. Ouais. Okay, je meurs. Ah mais je suis confiant, je fais ça, c'est pas grave. Pour 1. Tu voulais donner 2000 de puissance, c'est ça? Exactement, ouais, ou R2D2, puis j'aurais front quoi. Je t'attaque ici pour 1, 2. Et ben, et à toi. Donc, c'est bon. Ouais, ça marche pas des masses. Du coup, je pioche. Ça m'arrange un peu plus. Clock. Putain, j'espérais voir une autre carte que celle-ci. Je joue elle, c'est la mise qui permet de top check et de mettre en dessous. Je mets en dessous. Je vais laisser dessus. Ouais, je vais laisser dessus. J'avance mon brainstorm, bonheur. Tu joues elle. Elle, quand elle attaque, je peux défausser une carte et payer 1 pour récupérer depuis mon deck. J'ai plutôt depuis mon deck. Ok, ouais, ouais. C'est quoi les puissances? 1500, 2000, 2000. 2000, 2000. Chez toi? Ouais, 2000 les deux là. Et 1500 le celui-ci. Ok. Que je tape front, donc je suis à 2000. Du coup, tu tapes celle-ci, hein, il me semble. Celle-ci, hein. Ouais, ok. 3, 2. Annulé. Annulé. Je tape celui tout à droite. 1. 1. Un, je prends. T'es mort, j'ai 2005. Là, je crache. Et puis, je vais faire l'effet. On a les deux morts. Hein. Ouais, ouais, pas de soucis. Du coup, je paye 1. Je paye 1 de mon stock. Puis, du coup, je vais tuto. Juste réfléchir à ce que je tuto. Je vais tuto une Shinakaze. Ok. Je vais tuto Jinsu. C'est celle qui va tuto les climax. Ok. Not bad. Je vais mélanger mon petit deck. Du coup je coupe. Oh, oh. Tac. Du coup ça fait pour. Je prends et du coup on crache les deux. Du coup là je meurs. Du coup c'est pas. Du coup c'est pas. J'ai 5 de stroke. T'as combien de dégâts? 6? 6, ouais, je cloque. Où tu level up? Derrière, je donne 500 en front et quand j'utilise, okay, un event, je peux donner 1500. Ouais.
je joue le 1 des Luc. Quand il arrive sur le terrain, il gagne 1500. Et il a un combo climax. Je tape. Donc à celle-ci, hein. C'est exact. Pas la renard. Hein. Non, l'autre. Ouais. Ok, ouais, vas-y. Alors, pour 1, 1. Du coup, je prends et je level up. Ça me fait un peu chier, hein, mettre du jaune, voilà. Du coup, je suis mort, ouais. Yep, et puis du coup, à toi, je pourrais faire d'autres. Ok, du coup, ça part dans ma routing. Je redresse, je pioche. Ok, voilà, je vais clock. Piocher 2. Combien de puissance ton Luc ? Il a 4005. C'est tout, parce que celui-là c'est au front et il n'y a personne devant. Ok. Je vais mettre ça, c'est le truc qui donne 1500. Ouais. Je vais jouer une Shimakaze. Je vais avancer ça. Je vais donner 1500 à ma Shimakaze là, si je veux. Ok, ouais. Je vais front avec ma Shimakaze. Mmh. Ah. 6000 tu as dit ? 6005. Du coup on crache les deux, je donne 2000. Alors d'abord effet, je pioche 2 et je défausse 2. Ouais. Alors attends, je vais faire ça. Et je défausse 2. Alors du coup je lui donne 2000 et effet du R2D2, quand je fais un event, je peux le fatiguer et encore donner 1500. Ouais, donc tu peux courir en fait. Donc, oui, du coup, en fait. Du coup, pour combien tu m'as dit pour un dégât ? Pour 1, ouais. Je prends. Ensuite, au milieu, pour 2, 2, effet, je stock aveugle. Je le prends en main. 2. Je prends. Ensuite, tout à droite, là. Ah, ça fait 5. 1, non, 4. 1, 2, 4, ouais. Ok. Oh punaise, je prends, je level up. Ouais, c'est un peu moche. Du coup, je sauve personne, c'est à toi. Ok, alors je cloque. Ouais. Génial. Lui, c'est tout seul ou... Je vais faire le brainstorm de celui-là. C'est payer 1 et le fatiguer lui. C'est le anti niveau 3, quand ouais, il tape okay. Un niveau 3 il gagne 6000 et j'ai aussi la force. Ouais. Et je rejoue le Luc combo climax, donc quand il arrive il gagne 1500. Ouais. Je joue ma climax qui va avec, plus 1000, non pardon. Choisis une bleue dans la waiting room, je la mets dans le stock et puis un dessous là tout le monde. Ok. Je place mon runner. Ouais. Et combo climax, quand j'attaque, je révèle le top. Si c'est un caractère ou un sabre laser, je peux le prendre dans ma main. Ok. Alors, du coup, je t'attaque. Tu me donnes. C'est un caractère bleu, je le prends en main. C'est niveau 3. Hein. Oui. Ok. Du coup, pour 1, 2, 2. Je prends. Ok, je t'attaque ici. Pour 1, 2, 3. Et la gauge, je ne sais plus toujours laquelle c'est là.
Je peux reprendre une climax. 1, 2, 3, je prends. Je suis à 1, 6. Je reprends la même climax. Enfin, la. Ouais. Retour du Jedi. Hop. Ouais, je mettre la max, hop. Ouais, j'ai resté capable, là. Et je t'attaque ici. Alors, combo climax, je révèle. Ah, bah, du coup, je la prends pas. Du coup, 1, 2, 3, 3, et je peux encore récupérer une climax. Ah, du coup, il m'en reste une. Je prends A New Hope. Ouais, du coup, je sauve pas le personnage. Ok. C'est à moi. Yep. Putain, c'est dégueulasse. Du coup, je. Du coup, je pioche 2. Ensuite, je fais l'effet de ma Z3. Je paye 2. Ah, c'était putain, j'avais. Oh, je laisse. J'étais sûr. Chercher une Akagi. Il me reste une carte dans mon deck si jamais. Ok, ouais. Bon, il m'en reste 2. Bon, alors, je suis à combien de stock ici? 6. C'est gênant. C'est quoi les puissances? Alors, celui-là il a 4500, lui il a 5000 et lui 7500. Ok, donc je vais poser ma Shimakaze devant. J'active pas l'effet. J'active pas l'effet. Je donne 1500 à ma Shimakaze, elle passe à 500. Ok. Ouais. Je vais rentrer en combat, je tape à 6-5, pardon. 1. Et du coup, ça refresh mon deck. Tu tapes celle-ci, hein. 3. 4. Ouais. 6, je refresh à 6 si j'en ai. Ok. Du coup, est-ce que tu fais quelque chose sur mon deck? Yep, je vais refaire un sabre laser. Du coup, je pioche 2. Est-ce que d'abord je défausse ou d'abord je mélange? D'abord tu défausses, comme ça. You may draw 2 cartes, point, if so, discard 2 cartes. Je pense d'abord ça mélange et après ça défausse. Tu crois? Attends, ça le fait tout de suite parce que c'est tout le. Il a terminé les effets. Ouais. Ah oh, putain, c'est une bonne main. Du coup, je prends le dégât de refresh. C'est un. Ok, ouais. Ouais. Je suis encore en train de réfléchir à ma défausse. Ouais. Color reverse. Je me défausse de ces deux là. Ça aussi elle va au cimetière. Et mon refresh. Ok, peut continuer. Okay. Puis attends. Oui, tu donnes 1500. Je donne 1500. Elle a combien celle du milieu? 2000. Ouais, en fait. Et celle-là, elle a 500. Ouais. Donc, ça... Je fatigue et je donne. Ouais, celle-ci, allez hop. je tape, je crash du coup. Ok. Ah! C'est pas très bien. Pour 1. Ouais, pour 1. Je prends. Je crash tout à droite. Ça, ça va dans ma main. Mm-hmm. Je stocke un. Du coup, pour un. Ouais. Je prends aussi. Du coup, j'ai tout qui est mort. Du coup, je sauve personne. C'est à toi.
clock. Ok. Je fais mon brainstorm. Ouais. Merci, au revoir. Du coup, ton terrain est vide. Ouais. Barre d'arrière. Je fais la climax. Je tape, effet. Je réveille, je la prends en main. Ouais. Du coup, pour... Ah, attends, j'ai oublié de mettre un Kara ici. Du coup, pour 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2. Ok. Avec l'autre effet, le top, je le prends en main. C'est le même. 1, 2, 3, 3. Annulé. Et ici, pour 1, 2, 3. 4 et je peux reprendre une climax. Ouais, j'en ai une. 1, 2, 3, 4, je prends. Putain, ok. C'est pas moche de se prendre une 4. C'est à moi. Oui, c'est à toi, oui. Je pioche. Je suis à 2-6. Aïe aïe aïe. Ce deck. Du coup, je fais à 4 skis, je défausse une climax. Je check le top 4, je peux prendre un personnage. Je vais prendre une Musashi. Level 3. Ok, ouais. Comment j'ai tout à fait 2, 4, 6, 7, 8. Je fais l'effet de ma I8. Mm-hmm. Je défausse une Maya. Je paye 1. Je paye plutôt un personnage. Putain, cette blague. Une vraie blague, comme on dit dans le milieu. Aïe 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 aïe. C'est vraiment la merde ça. Putain, toutes mes putains de jeans souffrent. Je vais prendre ça. C'est Nakatsuki de nouveau. Ok, ouais. Je vais nouveau défausser une climax. Putain de merde, de putain de merde. De putain oh là là, merde. Oh, c'est dégueulasse. Ça, ça va pas du tout. Un jet de carte dans le mec. 4. Je vais récupérer ça. Je vais brainstorm. Je vole 4. Pas forcément, hein. Je vais choquer. Ok. C'est combien ta puissance? Alors, 4500, 5000, 7500. Dangereux. Ouais, bah les couilles. C'est pas un brainstorm où une fois par tour je peux engager n'importe quel personnage. Ok, ouais. Je fais mon brainstorm en fait. Ok, pas de soucis. Du coup, il me reste 6. Ouais. Du coup, je les 4 dernières, hein. Donc elles vont pas dans mon deck. Ouais, quoi que. Non, elles vont pas dans mon deck. Non, non, d'abord tu. Bon, j'ai envoyé sans le vouloir un virgule plus, hein. Du coup, je vais prendre un dégât et du coup, ça va me faire level up.
Mais tout était prévu. Du coup, c'est une climax, ça bien entendu, parce que j'ai pas de chance. Je suis obligé de foutre du verre. Oh my god, je suis obligé de foutre ma Kagi niveau 3. Dégueulasse. Yes. Du coup, j'écrase. Je joue une Akagi. Je paye 2. Je peux piocher 2. Des fois, c'est vide. Du coup, je dégage ça. Je joue je peux checker mon top deck. Donc celle du mieux c'est que quand c'est elle qui attaque hein. J'ai pas compris. Celle du mieux c'est que quand c'est elle qui attaque. Sauf Eva. Oui c'est quand elle attaque, ouais, seulement elle. Ah c'est un peu chiant, je regarde juste le niveau de mon top deck. Du coup j'écrase ma Arashu. Ouais, j'écrase ma Arashu. Je joue Musashi, donc si tu cancels ce tour, tu te prends le melage plus 1. Du coup on va rentrer en climax phase, je perds tout mon stock. Ok. Du coup je joue la climax. Du coup tout le monde gagne... Enfin, déjà avant son effet c'est que quand j'ai plus de stock, enfin ça dégage tout mon stock. Mm-hmm. Pour chaque copie je gagne... tous mes personnages jusqu'à la fin de ton tour gagne 1000. D'accord. Donc bah, elles sont hyper hautes quoi. Donc elle est à 12 000, 13 000. Ok. Elle est à 11 500. Puis okay. Elle est à 6 000. Ok. Et si je te tue un personnage avec elle, je te l'envoie en cloque. Donc juste répète-moi juste combien t'as au milieu. 7500 au milieu. Ok. Je vais attaquer avec ma Akagi. Pour 3. Cancel. Du coup il part en dégâts, ton truc. J'aurais dû taper avec Sushi, putain de merde. 3. Avec Musashi, 4. Tu tapes celle-ci, hein, j'oublie toujours. Celle-ci, ouais. Ouais, 4. 4, ouais. Annulé. Du coup. Ouais, fait. Je me ça fait un dégât. Je le prends, je level up. Pardon. Oh, le débile, j'ai fait un biscuit. Oh, c'est dégueulasse. Oh, le dégueulasse. Putain, j'aurais pu faire un... Ouais, non, ça changeait pas énormément, mais... Ça aurait pu changer quand même pas mal. Aïe, 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 putain, les misplays. J'oublie tout le temps. Du coup, ça fait 2. Effet, je peux la rapporter. Et du coup, c'est la... Tu m'as dit qu'elle est à 6000, hein, celle-ci. 6000, ouais. Ah, donc je lui sabre laser la gueule. Je pioche 2. Ouais. Et je me défausse de ces deux-là. Du coup avec en plus l'effet du R2-D2 je lui donne encore 1500, elle a plus 3500, elle est à 5, 6, 7, 8, elle est à 8500. Pour combien de dommages tu m'as dit? 2. Cancel. Non, on peut jouer. Attends. 2, 3, 4, 5, il me reste 3 climax dans mon deck. Ouais, une chance sur 5. Elles ont combien d'attaques, s'il te plaît? 12 000, 10 500. Oh
Alors je vais commencer par me clock. Ouais. Okay. Alors pour 2 je sors lui. Alors ça me heal de 3 là. Pardon, t'as 3, c'est ça? Oui. Oui oui oui. Alors c'est 3-0. Voilà. Alors donc je me soigne, blablabla. Lorsqu'elle arrive sur le terrain, je peux prendre un sabre laser dans mon cimetière et la mettre en marqueur. Ouais. Attends, 2 secondes. Je place lui pour 2. Alors bon, c'est un early call. Durant un combat avec lui, je me prends pas de burn. Lorsqu'elle est placée sur le terrain, je draw 2, je discard 2. Et je mets la top carte dans mon stock. Je défausse 2 et stock aveugle. Et il a aussi la force. Je rentre en climax phase, j'active la force avec lui. C'est quoi, c'est je discarde un caractère et je paye 1. Et si je me trompe pas, c'est je choisis simplement 2 personnages et je les échange. Okay. Donc je vais changer celle à 13 000 avec ta pacro à 500. Ma climax New Hope qui combo climax avec ce Luke. Ouais, du coup, le stand. Ouais. Ouais. Sinon, c'est plus 1000 en dessous là, tout le monde. Ok. T'es à 10500 au milieu, hein, tu m'as dit. 10500, ouais. Là, du coup, je passe à. Là, je suis à 11500. Alors, du coup, je t'attaque avec le Luke. Ouais, vas-y. Pour 2, 3, 3. 1, 2, annulé. Et du coup, effet, c'est je paye 2 et je défausse un carat bleu de ma main au cimetière. Tac, et je paye 2. Je le stand. Du coup, je te rattaque avec. Donc 2, 3, 3. Annulé. Bah bravo. Attaque pour 1, 2, 3, 3. Annulé. Oh, bah, oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et ici pour 2, 3, 4. Normalement ça je dois me les prendre avant que j'ai mal. Ah non, j'ai mal quelque chose. Oh là 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 là. Tout cancel. Ouh, quadruple cancel. Maintenant il est fake. Ah bah alors totalement. Et, bah, ça, et du coup à toi. Je réfléchis. J'ai une là. Est-ce que j'en ai? Pas.
c'est combien la puissance? Alors 9005, 10500 et 5000. Ok, ah, je vais la sauver. Je sauve ma Kagi, c'est à moi. Je pioche. Du coup, faut qu'on calcule quand même. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, je vais clock. J'avance, j'échange, je joue ça. Est-ce que je joue la safety? T'as dit combien tout à gauche? Celle-ci, il est à 9005. Climax phase, je perds mon stack, tout le monde gagne 1000. Du coup, avec combo climax avec elle. Si je te reverse, tu pars en clock. Ok. Du coup, ça fait 3. 3. Sur celle-ci. Ouais, c'est celle-ci, ouais. Ok, tu dois mélanger ton deck, c'est ça? Ouais. T'avais quand même climax, t'arrives? Oui, pardon. 4, 5, 6, 7. 7. 7 climax, bah dis donc, monsieur. Triple cancel. Mais quadruple cancel, il va me burn d'une fois normalement. Non, je vais pas te burn. Non, il peut que burn le tour où il arrive. Ah, ok, autant pour moi. Donc, du coup, on a dit 3. 3, je prends. Ensuite, et prends tu me click shot. Puis t'as aussi le dégât de refresh, oublie pas. Oh, pardon, oui. Alors attends. D'abord le refresh et le clock shot. Donc t'as 3-5, c'est ça? Je suis à 5, oui. Je tape à 2. En une attaque. 2. Là t'as pas assez d'attaque, hein, mais... Non, je suis crème. Mais ça, on va d'abord faire la ligne. Oui, bien sûr. Pour 2, hein. Ouais, 2. Bah, bien joué. Bien joué. J'avais encore un sabre laser pour survivre. Ouais, je me dis. Ouais, 2 après, quoi. Ouais, c'est ouais, elles arrivaient plus tard, quoi, forcément. Enfin, si j'aurais side, de toute façon, j'aurais potentiellement side, parce que j'aurais été à 3. Ouais, non, ça fait rien, en fait. Je pourrais pas te tuer si je sais. Bien joué, bien joué. Bien joué. Ah, mon deck, il est plus sorti que quand j'ai affronté Gabriel hier. Ouais, bah moi, il est pas du tout sorti quand... j'ai pas pu faire mon combo niveau 1. Hé, Fischer, à un moment, ouais. j'ai 22 cartes dans mon deck, ok. Il me reste 2 climax, je fais Akatsuki, je me dis tant que je touche pas une climax jaune, je peux aller la tuto avec Jinsu, si je choque Jinsu. T'as touché les climax jaunes. J'ai touché toutes les climax jaunes dans les 3 premières cartes. Donc il me restait 17 cartes, enfin 18 cartes, 0 climax. J'étais, nice. Bien sûr. Bah, bien sûr. Du coup je joue contre Wemi. Étonnant. Région Europe, hein, on est en Europe, ok. Le premier quart, tu veux couper? Ouais, le premier quart. Ça marche. Indian Shuffle. Dis le mec qui adore les Indiens. Mets les 5 cartes du dessus de ton deck au-dessus.
c'est le but. T'as un dé réel. Ouais, attends, je vais dans mon sac là. Oh, moi j'ai un D20, donc je sais pas si t'as un D20. Au pire, je le jette pour toi. Moi j'ai une compote de pommes. jette-le pour moi en vrai. Ok, alors je tire pour moi en premier. Ok. J'ai fait 4, ok. Et pour moi. Non. Attends, je le retire parce que c'est pété la gueule. Ah, t'as fait 6. Je commence. Du coup, je pioche. Les 5. Et du coup, moi je vais changer ça. Je vais changer ça. Ça et ça. 4. Donc, une climax chez moi, une pleine. Enfin. Backup et backup. Bon, moi, comme t'as vu, du coup, il y a une T-Max. Et puis, deux niveau 3 et elle. Mais c'est parfait, j'ai eu exactement la carte que je voulais. Je pioche. Ouais, ça va. Je décloque You. Ouais. Ton voyons. La runner, qui est là. Ouais. Pour deux. Tu donnes 500 à. Deux. Ouais. Ok, je prends deux. Ah, je le vois. C'est à moi. Ouais. Je pioche. Donc c'est passionnant. Je cloque une Jinsu. Je pioche deux. Je vais jouer ta meilleure amie, celle que tu peux pas récupérer de la waiting à moins que tu perdes de full. Yes! Sympa, hein? Enfin, pendant la combat, je pense. Oui, oui. Si c'est une runner, Shiratsuyu. Mm-hmm. C'est celle qui donne 1500, celle-ci. Mm-hmm. Et puis. Donc ça, là, là, elle est en face de mon unité ou c'est vide en non, face? Non, 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 non. Là, je vais la mettre en. Voilà, là, c'est en face, ok. Ouais. Je vais donner 1500 à Murasami. Mmh. Je vais rentrer en combat du coup. Je meule, j'ai meule ça. Ouais, tu me la mets où du coup? Dans la défausse et ma petite Yoshiko là où c'est vide. Ok, donc je vais taper pour 2. 2. 1. 2. Je prends. Ensuite au milieu. 2. Je prends. Stand. C'était toi. Draw. Clock Marie bleu. Okay. C'est quoi les puissances, les effets déjà? C'est 500 en plus et puis la Shiratsuyu elle peut meuler, si elle meule 0, elle peut bouger, autrement elle dégage. C'est une. C'est une level. Enfin, c'est combien de puissance juste? Parce que je les vois pas les chiffres. Là elle est à 3000, elle est à 2500. Parce que j'ai 500 de boost de ça. Face à ta 3000, je mets une trappe niveau 0. Ouais. Et une deuxième runner, t'as dit combien au milieu? 2500. Prince, Climax? Celui-ci? Plus 1000 et 1 de soul? Ouais, ouais, ça marche. Quand j'attaque ici, je donne 500 ici. Ok. Pour 2, 3, 4. Du coup, 1. 5, pardon, c'est vide. Annulé, c'est ça. Ok. Attends, ça faisait 1, 2... Ça faisait 4. Ouais, ça faisait 5... Ça faisait 4, oui, pardon. Je sais pas ce que je disais. Non, 5, parce qu'il y a la 5, 5, oui, parce qu'il y a le truc vide. Non, parce qu'il y avait le plus vide. Oui. Là, pour 2. Au milieu, tu dis? Au milieu, ouais. Donc, Yoshiko, de base, elle a combien? Yoshiko, là, elle est à... 3000, 3500... 4000. Ok. Ok, du coup, ça fait 2, t'as dit, hein. Ouais. Annulé. Je vais trigger ça. Ok, ça marche. Et ici je me suicide, tu meurs avec moi? Ouais. Possible. Pour 3. 1, 2, annulé. Putain. Pas de soucis. Quand elle va en waiting. Oui, oui, je salvage une unité de la waiting. Ouais. Du coup je sauve personne. Sauve elle. Ouais. Du coup je draw. Du coup je clock. Je pioche 2. Ça me saoule un peu, ça me saoule. Plus de saoule. Je vais avancer ma. Ouais. Je vais mettre une autre Atsukaze. Ah oui, quand ça moins 6. Ouais.
T'as un champ vide là-bas, on est d'accord. Ouais, c'est vide sur le côté. T'as 100 combien, 2000 de puissance? Ouais, 2000. Ok, bah je vais laisser comme ça. Elle a combien? Elle a 2500, parce qu'elle se donne le boost entre elles. Ok. Ouais, je vais l'avancer aussi. Ça marche. Donc elles sont à 2000, hein. Ouais. Ok, bah je vais rentrer en attaque phase. Je me le 1, ça marche pas. Je me le 2, ça marche. Du coup, je vais bouger là. Ok. Est-ce que je tape au milieu? 2005 pour 1. Mon coup, ça freeze ou pas? Voilà. Ok, donc ça fait pour haut, milieu, hein? Milieu, ouais. Ok. Et ça passe, level up. Ouh! Réfléchis. Ouais. Je mets la rouge là. Ouais. Ensuite? Ensuite, je tape pour 2. 2. 1, 2, ça passe. Très bien. Ensuite, je tape pour side. 1, 1. 1, ça passe. Stand draw. Clock à niveau 3. Okay. J'ai pas de 2. Ça marche. Combien les puissances? 2500 et 1500 pour la Z3. 1500 et 1500? 2500. Donc face à là, je mets ça. Ouais. Elles ont 2500. C'est relou ça. Et oui, j'ai... On va poser ça là. Battle phase, du coup. Ouais, vas-y. 4500, bon, je pense que sans trop de surprise, je passe. Ouais, bon, de toute façon, je meurs au pire. Hein. Pour 3. 1, 2, 3, je prends, je level up. Mm-hmm. Je vais mettre du vert. Ouais. Quand j'attaque avec elle, je donne 2500, donc je donne 500 à elle, donc elle passe à 2500. Pour 1. Ouais. Donc on crache avec moi. Ouais. Du coup, 1, ouais, j'ai pris. Et de nouveau, là, je crache avec toi. Pour 2. 2, ok. Attends, je dois juste faire mon... Tu sais, ton but, c'est pas de te cracher, hein. Faut aussi que tu... C'est trop tard, j'ai pas dit que je faisais le level up. Ah, merde. 2, tu vas dire. 2. Ouais, j'ai pris. Donc du coup, tout est mort chez toi et puis moi. Et puis ça, quand ça va en waiting, je check la carte du dessus de mon deck. Ouais, ouais, je la laisse dessus. Ok, du coup, je pioche. Mmh. Je mets Shimakaze, je mets Shimakaze. Yes. C'est une frappe niveau 1. Ouais. Ah, je vais pas jouer la deuxième. Enfin, la troisième. Je vais faire l'effet. Ouais. Je paye 1. Je défausse 1. Je fais tuto. Je vais chercher la 3. Mmh. Voilà, hop, je la joue, je donne ma chimie, forcément. Je joue le climax, je pioche, je lui donne en dessous. Mmh, pas de soucis. On va aller à 8500, MDR. Du coup, je tape pour 2 parce que bah, j'ai le soul en plus. Ouais, gold bar. Cancel. Tu meurs avec moi du coup. Puis je frappe niveau 1. Ouais, effet. Ouais, je sais aussi. Chercher une AKB. Level 3. Ouais. Ça roule. Hop. Voilà. Du coup, je tape au milieu pour 2. T'as rien, 3. 3. Ouais, 3. 3. Cancel. Ok.
Puis ensuite là-bas pour 2, 4. Ça passe, level up. Ouais. Level up, level up, level up. Qu'est-ce que je mets? Je vais mettre bleu. Ou du jaune. Du jaune. Du bleu. T'as combien après le level up? 2, 1. Ok. Si ça meurt, si ça dégage, et puis ça meurt. Je draw. Je vais clock ça. Ok. Il y a un truc qui me sidère quand même, c'est que j'ai beau penser aux pour deux probabilités, mais en fait, dès qu'il me dit bat les couilles, ça va la petite probabilité à chaque fois. Ça bug pas mal. C'est toi. Allô, qui bug. Non, c'est toi qui bug. Moi, je te bug normalement et j'ai ton. Allô. Ouais, c'est Gabriel qui bug quoi. Ouais, je bug. Je joue ça derrière. Ok. J'écrase avec ça. Du coup, tu fais la quand... ouais. Ouais, quand elle va en waiting, je paye 2. Ouais, c'est bon, je connais. Je vais chercher elle. Ouais. Je paye 2 pour la jouer parce qu'il y a elle dans le level. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je paye 1 pour jouer la U. Pour jouer l'autre, ouais, bien sûr. Aïe 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 aïe, le deck qui me pisse dessus. Hein. C'est incroyable. Bon, moi aussi, il me fait un petit peu malin quand même là. Ouais, mais. Genre, j'ai une chance, je sais pas combien de toucher des trucs et je les touche systématiquement. C'est quand même dégueulasse. Comme il y a du bleu ici, je joue L, là devant. Effet d'L, je peux regarder la carte du dessus. Bien sûr. Je laisse dessus. Tu connais les autres effets, je pense. Oui, oui, bien sûr. Du coup, la Zakamashi, elle a combien? Elle a 5 000. Oh, c'est bon. Et Climax. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes, t'as rien sur le board? Non, j'ai... Enfin, t'as pas les anti-salvage? Non, j'ai pas les anti-salvage. Ok, ça change tout. Je pose ça. Ouais. Donc c'est... Et Climax. Oui, forcément. Je mets une rouge de mon stock ici. Oui, c'est bon. Du coup, je tape ici en me suicidant avec toi. Bien sûr. Pour du 3. Du coup, je prends. Yes. Voilà. Je t'alvue. Je fais du bleu. Et puis, je vais faire l'effet de ma Z3 cette fois-ci. Ouais. Et je suis trop con, j'ai fait dans le mauvais ordre les trucs. Mais tant pis. Du coup, je prends. Je récupère L. Z3. Alors, 2 secondes, je vais juste vérifier ce qui me manque dans le deck en sachant, en regardant toute ma waiting et tout. Parce que je connais le type qui connaît vraiment ses ressources jusqu'au bout, quoi. Bah, en fait, c'est pour savoir, parce que comme un con, j'aurais dû attaquer avec la U pour burn. On a 3 cartes dans mon deck. 3 cartes, combien de climax dans la waiting? J'imagine. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et peut-être une en stock, on sait pas. Si tu sais. Ah oui. Moi, du coup, j'ai récupéré ça avec l'effet. Ouais. J'attaque là. Je révèle la carte du dessus, c'est niveau 1, donc burn de 1. Du coup, je prends. Ouais, pour 3. Passer vite. Du coup, ça fait 2, base, puis je refresh mon deck. 4, passe c'est vite, pardon, il y a la climax. Ouais. C'est pas mal. Puis tu remets l'enjeu de 3 coups. Ouais. C'est refresh, c'est important. Bien mélanger sa maître, voilà. Du coup, tu mets les 6. Les... Attends, les 6 cartes du dessus, je les mets sous le deck. Sous le deck, les 6. Ouais. Attends. Bois seulement. 6, voilà. Okay. Non, c'est bon. Et maintenant, tu prends tes dégâts. Du coup. Ouais, je prends. Je suis à 2-5. Et... Ouais, plus et j'ai. Plus 6. Ouais. Yes. Et ensuite, j'attaque au milieu. Pour 12 000 de puissance.
pour ça fait 3. Yes. Ensuite, moi dans ma voyage, je vais refresh maintenant. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clés max dans la waiting. Okay. Plus celle-ci qui est là, hein, donc forcément celle que j'utilise. Ouais. Du coup, je refresh à 7 clés max dans la waiting. Okay, du coup, okay, t'as level combien? Combien de dégâts? 2, 6, non, j'en ai 6. 2, 6, ouais, je me disais qu'il y avait des dégâts refresh. Donc, je reshuffle. Et j'ai déjà pété une oversleeve, je crois. Ah, bravo. Ah non, c'était que. Du coup, il n'y a pas ça, ok, parfait. Non, c'est une impression. Non, c'est pas qu'une impression. Alors, en fait, je remarque, t'as enfin mes oversleeves, j'ai des mises où. On changera juste après parce que là, c'est pas visible. Quand tu es chez moi, Lucas? Non, je dis à Gabriel, il est en voilà, charge excessive. Alors tu coupes au milieu. Vous êtes chiant. Ça bug. Tu coupes je au bug. Milieu. Le milieu, le milieu, le milieu, le milieu. Là. Ça marche. Dégâts de refresh. Ouais. T'as combien là? 2-3. 2-3, ouais. Climax terminé. Ouais. Elle est morte. Je souffle pas. À moi. Ouais, à toi. Bah bien sûr que je rôde la merde. Du coup je cloque. Et du coup je vais mettre du jaune. Comme ça j'ai les trois couleurs, je cloche deux. Bah bravo, toi c'est bien que tu sois là. Bah bravo Nils. Bravo pour la caméra. Je joue une Akagi, je paye deux. Je te rôde deux discards. Je suis un 2B. Non, ça va. Je pourrais de toute façon pas faire mon truc. Et puis de toute façon, ça m'arrange. Je défausse ça. Je fais une Akatsuki. Yes. 1000 mi power cards. Je dégage ça. Je prends une Akatsuki. T'as quoi dans les autres cartes? Juste les 3 autres. De quoi les 3 autres? Parce que j'ai t'as révélé jusqu'à 4. Oui, mais à Akatsuki, t'avais révélé les 4. Ok, ça marche. Au milieu, 10 000 ici sur le côté, y a pas le support. J'aime bien, j'ai fait 10 000 de puissance et y a pas le support. J'entends, c'est nul. Mais c'est pas pour toi, t'inquiète pas. je sais que c'est pas pour moi, mais ça m'a tué comme au milieu, hein. 12 000 au milieu. Ouais. Donc là, je suis 300 à 10 000, 13 000, 13 000 sens gratuitement. Ensuite, avec ça, tu as 10 000, 11 000, 12 000 avec la Climax. Je vais passer à 13 500. Je donne 1000 au milieu. Mm-hmm. Donc, je suis à 13 500 ici. Et puis après, là, 11 500, 12 500, 13 500, 14 500. Si jamais le backup, il a 3, plus 3 000. Ouais, là, tu passes avec le backup. Akatsuki. Plus 1000, enfin d'abord dégage. Ouais, la Climax. La Climax. Parce que. Oui. Quelqu'un quoi, plus 1000 à tout. Pas de soucis. Du coup, je tape. Attends. D'abord avec. Sashi. 3, 4. 3, 4. 4. Parce que j'ai plus 1. Ça passe. Ouais, du coup, tu level up. Yes. Je mets du jaune. Ok. Ah mon dieu! Santé.
Ah, du coup, je t'appelle 4. Qu'est-ce qui 1, 2, 3. 3. Un tel ? Ouais. Je t'appelle Akali. Pour 3. Cancel. Du coup, il n'y a pas en dégâts. Tu la clock shot ? Ouais. Ça marche. Je réfléchis. Je sauve la Chica. Ouais. En envoyant ça. Et du coup, je check la top card. Je la mets dessous. Je stand. Je draw. Est-ce qu'on est fou? Des fleurs! Oh my god! Il y en a des fleurs. Bon, soit il n'y a pas vraiment de prochain tour à proprement parler, sinon. Donc, on va simplement. Jouer, payer 2 pour jouer You. Ouais. Payer 2 pour rejouer You. Okay. C'est quoi les puissances juste? 12 500, 11 000. Et puis 2 500. 12 500, 11 000. Attends, redis pas, je bug. 11 000. 11 000. 12 500. Attends. Je vais réussir. Test. 1, 2, 3. 11 000. Dès que ma main bouge fluidement, c'est que c'est bon. Ouais, bah. Pour nous, elle va très bien, hein. C'est bon ? Non, 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 c'est toujours pas bon. Ah, voilà, c'est bon. Donc, 11 000 ? Mais ouais. Gabriel, t'habites en France ou bien ? 12 500. Non. Pourtant, j'ai pas de bug de courant en soi. Ouais, 12 500. Ok. Ça marche. On va switch comme ça. 2, 3. J'ai 3 climax dans ma waiting. Ça marche. J'en ai, je crois, trigger une, hein, il me semble. J'ai un blanc, je crois pas que t'en aies plus Garou. Peut-être pas. Je vais attaquer avec la Yu en face de ta Katsuki. Ouais, vas-y. Burn de 0 pour 2. Du coup pour 2, du coup à 2. Ça marche. Je vais attaquer avec Chika à ouais. 14 000 sur la Katsuki. Ah, pour ça l'envers du coup. Bah avant non, avant tu m'avais dit que non. Non, justement je dis que c'est en face. Là, là, ma Chica, elle est en face de ta Katsuki. Non, enfin, avant, comme on a fait avec Lucas, on disait que justement, c'est ce qui était en face. Voilà. Ok, ouais. D'accord. Bah, on va aller comme ça, alors. Pour donc, 14 000 sur la Katsuki. La Akagi, pardon. Akagi. Ah bah voilà, du coup, c'est comme j'avais dit, retourne. Ah, ok. Mais moi, j'ai pas en miroir. Moi, c'est tout bon, en fait. C'était juste. Ouais, bah moi aussi c'était juste, je sais pas pourquoi. Toi tu dis bon, Akatsuki, donc c'est pour ça le problème. Ouais, au début j'allais Akatsuki, après Akagi, faut savoir. Ouais, je prends 2. Ok, j'attaque au milieu. Ouais. Burn de 3. Annule. 3. Et du coup tu meurs. Hein. Ouais, du coup je fais l'attaque normale de 3. Ouais, du coup tu meurs. Oui, je meurs, oui. Et annule de 2. Ok, ça marche, je la sauve pas. Moi je vais la sauver maintenant. T'as qui? T'as Kegi? Ouais. Ouais, ok. Ça marche. Et du coup, je sauve pas Akatsuki, forcément. Du coup, c'est à moi de jouer. Du coup, j'ai un stand, attaque, ma vie. Voilà. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 climax. Est-ce que je fais ça? Je suis fou. 2, ensuite tu vas le 4 et ensuite j'attaque pour 3. C'est best chance to survive, best man. Du coup je le clock, piocher 2. Tu vas qui je vais faire une Akatsuki. Il faut une Z3. Yes. Je 4. Je vais prendre la backup. T'as combien dans ton deck? Combien de cartes dans le deck? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, on a compris. Et il y a 3 climax dans la waiting. Ok. Du coup, 10 000 de puissance, t'as. Alors, ici, Chika, elle a 12 et ici 10. Du coup, je donne 1500 à ma Akagi. Quel
passe à 11 500. Je lui donne encore 1000. Donc elle passe à 12 500. Forcément, je prends Climax 13, elle gagne plus 1000. Elle, elle est déjà à 12 500. Climax 13 500. Je vois pas bien qui c'est là avec le reflet de lumière. Ça Musashi, Musashi ouais. C'est Musashi, ça c'est okay. Akagi et ça c'est. Ça marche. Ouais, Akagi est à 14 500. Yes, et Clockshot pour la Akagi. Ouais, exactement. Je te. Vas-y. Ouais, je réfléchis en fait parce qu'il y a, je crois, encore une Climax qui va faire plus de dégâts dans mes tours. Donc, je réfléchis. T'as assez Climax dans ton top, dans ton deck du coup. Dans ton. Ouais, dans ma waiting, une là, puis une dans mon deck, il me semble. Ouais. Du coup, ça fait 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, cancel. Putain, non, ça va pas. Ah, du coup, Clockshot. Clockshot, ouais. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. Je prends. Bah, tu meurs quand même. Je meurs pas encore. Ouais, ouais. Juste pas mort. T'es juste pas mort. Ça lag. Soirée. Ah, c'est moi bon, quand ça arrête de laguer. C'est bon. C'est bon. Ouais. Bon, et si dernière... je suis un god player, attends. Si je suis un god player, je sais exactement ce que je joue et je sais exactement ce que j'ai dans mon. Il sait s'il va trigger ou pas. Suspense. Attends, donc là j'en ai une là. J'ai ça dans ma main. Je sais pas si j'en joue 3 en vrai. Dans la vraie vie. Putain, si c'est ça, si c'est ce que je pense, putain. Ah, je vais front. C'est pas un trigger. 3. Bon, 3. 3, ouais. 1, 2, cancel. Ouh. Du coup, ça refresh forcément. Hein? Bah, je refresh. Ouais, toi, tu refresh. T'as combien de cartes dans ton deck maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ok. Du coup, la. Elle est reverse. D'accord. Ouais. Voilà. Dis-moi où tu veux que je. Tu mets tes 3 top cards, donc tes 3 climax sous le deck. Et tu prends ta 4ème climax. Donc top 3, hein, tu vas dire. Ouais, top 3. Top 3. Hop. Dégâts de refresh. C'est pas une climax. Flûte. À moi, je draw. Ouais, vas-y. Je réfléchis. C'est quoi les puissances? C'est plus 1500. Donc 12 500 et 11 millions. Ok, ça marche. Je vais avancer elle. Ouais. Je vais jouer elle en payant 2. C'est une Musashi. Ouais. Au milieu. Et si je te reverse, je heal. Ouais. Derrière, je joue la support en payant 1. Ouais. Je la reste. Je défausse ce niveau 0. Je révèle la carte du deck. C'est une level 0, donc c'est traité comme une level 0. Du coup, ouais. Je vais salvage d'une level 0. Ok. Je vais salvage ça. Ok. Je mets sur le terrain. Je réfléchis. Tu restes combien de cartes dans la pour mourir, pardon? 3. 3? Ok, d'accord. T'as combien de puissance? 12 500. 11 000. 11 000 là-bas? Ouais, 11 000 là-bas. Ta waiting, y'a quoi? Une climax, c'est tout. J'ai pas fait gaffe si tu jouais des backups. Ah, si tu dois le savoir. Allez, on va jouer safe. Je joue au milieu, en attaquant. Donc pour 2 et puis gate. Du coup, je vais salvage une unité. Je salvage. Ouais. Je salvage elle au cas où je survis. Ok, du coup je prends 2. 2, ouais, je prends. Je me heal. Ouais. Je te reverse. Il te reste 1 pour mourir. Ouais, il me reste 1. Je me suicide pour 1. Du coup je vais backup, tu dois me les 3 de ton deck. Je me le 3 de mon deck. Ouais, tu dois me les 3. 1, 2, 3, ça marche. Merci. Ok, ça marche. J'ai meulé 3 de mon deck. T'as révélé ou pas? Oui, j'ai déjà révélé. C'était quoi? Par contre, juste. Ah. Allez, voilà. Annulé. Et je me suicide ici. Pour 2. Putain.
Allez, le deck. Annulé. Quand elle meurt, ouais. Je regarde la carte du dessus, la seule carte qui reste, et je la laisse dessus. C'est bien. La dernière carte, tu la laisses dessus. Ouais. Tu peux pas la mettre en dessous. Ouais, voilà. Ok, c'est à moi. À toi, ouais. Je dirais qu'il faudrait cut le deck. Oui, Rémi, je te laisse juste cut. Ouais, ouais. Bravo. Tu peux me donner ton compte de climax au cimetière ? 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut rien dire, on a vu le match d'avant. Ouais. C'est justement bien fait de te mêler 3 cartes. Mais la Katsuki, elle a survécu comment ? T'as payé 3 ? Ah non, pardon. J'ai rien dit. Mais bon. Alors. Combien mieux ? 11 500. 11 500, monsieur. Ouais, grâce au support derrière. Et si jamais à chaque fois quelqu'un meurt en face d'elle, je me heal. Ouais, ouais. Juste lire un truc. Ouais. J'ai joué une Maya. Yes. L'attribut de Maya. Je donne 1500 au milieu. Ça marche. Je donne 1000 au milieu. Elle est à 14 000. Ça marche. Il reste 2 à prendre. 2 à prendre, ouais. Ouais. Début de la climax run. Ouais. Je perds tout mon stock. Yes. Du coup, il gagne encore plus, mais il est à 15 000. Ça marche. Et moi, je suis en 10, ça marche. Je tape ici pour 2. 2. Ouais. Je refresh. Ouais. C'est bon, t'as perdu. Comme il dit ça. Quel sale go. Parce que même si tu la cancel, tu prends un dégât et après. C'est chaud, je sais pas que c'est impossible. C'est méga chaud, oui, je sais. Ah, avant j'en avais 7, j'ai perdu, hein. On tente. Tu veux couper où ? No brand, no cut, hein. C'est-à-dire ? No cut ? Ah, no cut. Ok. T'es prêt ? Vas-y. Il a triché la mini climax. Deux. Non, j'ai pris un deuxième. Et Qu'est-ce que t'as pris ? Non, elle était là, la climax. Bien joué. Ah, il y avait une autre là. Là. Si t'avais coupé, peut-être que ça aurait donné quelque chose. Attends, je veux juste voir si t'avais coupé. Non, je mourrais de toute façon, peu importe où tu coupes. Alors, au prochain tour, est-ce que tu m'aurais tué ? Bon, t'aurais fait des 1, je pense. Je suis déjà racheté mort sur la première, mort sur la deuxième, mort sur la troisième. Ouais, en fait, ce qui m'a fait chier, c'est que j'avais rien pour check le top deck. Et ici, le burn de 0, j'aurais voulu qu'il fasse au minimum quelque chose. Ouais, c'est dommage. Mais j'avais pas assez de quoi pour check. Ouais, je serais mort au prochain tour. Bon, bien par joué, contre, moi, il y a une oversleeve qui est pétée, donc du coup, faudrait pas que j'oublie de la changer. Eh bien, bravo Rémi. Oh, incroyable. J'aurais le droit à GG. Un magnifique titre. Putain, c'était méga chaud à part ça. Ah, c'était chaud la fin là. Fou. Ouais, la fin elle était. Ça pouvait aller dans les deux sens, hein, de toute façon. En fait, ça m'a fait chier quand t'as fait gagner toute la puissance à Musashi parce que si j'avais backup. Enfin, parce qu'en fait, le but c'était que je backup et puis que je me heal sur ta gueule vu que. Bah, je sais. T'inquiète, je sais que t'as fait ça.